Mesdames et Messieurs, bonsoir. Gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est aussi et surtout anticiper. Enfin, gouverner, c'est d'abord, avant tout, avoir une vision claire et nette de la conduite des affaires au plus haut sommet de l'État. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agira ce soir. Merci donc d'accueillir chez vous. Monsieur Kouadio konan Bertin, plus connu sous le nom de Kakabé, député RHDP de la commune de Port-Boué, candidat indépendant. Deux confrères m'accompagnent dans cet entretien. Merci donc d'accueillir chez vous également Kadi Fofana, elle est journaliste à la RTI. À côté d'elle, vous aurez beaucoup de plaisir à recevoir également, je l'espère, Olivier Konan de Radio Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous pour ce sixième rendez-vous avec les candidats pour les élections présidentielles prévues dimanche prochain, donc dans cinq jours. Bonsoir, monsieur Kouadio Konabertin. Bonsoir. Alors, monsieur Kouadio Konabertin, pourquoi vous voulez être candidat? Merci. Mes chers compatriotes, au moment où je vais m'adresser à vous, à vous tous, Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens du Centre, de l'Est et de l'Ouest, sans oublier ces milliers d'hommes et de femmes qui ont choisi depuis des décennies de vivre sur notre sol et nous aider à construire un pays, un grand pays prospère, stable. Je ne peux m'empêcher de penser à un homme, le président Félix Oufouette Boigny, lui qui a hérité de la colonisation d'un conglomérat d'une soixantaine de tribus dont le rêve aura été de bâtir une nation, une, indivisible et prospère. Oufouette a permis de mettre côte à côte ensemble toute une diversité culturelle, ethnique, pour bâtir la libre circulation des personnes et des biens, ce qui aura permis à mon père, Feu Kofi Kouadio Mathieu, d'aller épouser sa femme à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Dago delphine ma, ma mère aussi, paix à son âme. Voyez-vous, depuis mon cycle primaire, de Bokanda à Fresco en passant par Lakota, comment c'est harmonieux et beau que j'ai découvert, des jeunes guérés, des jeunes Senoufo, des jeunes yakuba, avec qui, ensemble, nous avons commencé à fraterniser, et bâtir l'avenir de la Côte d'Ivoire en oubliant eh bien, notre, nos origines ethniques pour ne nous considérer que comme frères désormais appartenant à une même communauté de destin. C'est dans cette Côte d'Ivoire harmonieuse, paisible, que la plupart des jeunes de ma génération ont pu se construire un parcours scolaire et universitaire. Oui, il faisait beau vivre en Côte d'Ivoire. Et le président Oufouette, avant de mourir, « Regardez vous-même comme c'est beau, ces mosquées, ces églises, ces temples et même cette basilique sur notre territoire. » Il nous a laissé, eh bien, une seule, un seul bien, le bien le plus cher, la paix. Oufouette n'a jamais cessé de nous indiquer que nous devons nous aimer les uns les autres. Il ne terminait jamais un discours sans faire référence à Dieu. Et mais il le dit, Dieu est amour. Malheureusement, depuis la mort du Père fondateur, nous avons donné dos à toutes ces valeurs, à tous ces enseignements, au lieu de privilégier le dialogue pour construire le consensus minimum nécessaire au progrès de notre pays. Nous avons préféré les coups d'État en 1999, quand quelques Ivoiriens. Eh bien, la, le qualifiait de révolution des oeillères J'ai vu les Ivoiriens applaudir, danser en 1999 quand euh, Bédi a été frappé, ce pouvoir moribond et qui est tombé comme un fruit mûr. Ces Ivoiriens que j'ai vus danser, si nous venons fouiller dans vos archives ici à la RTI pour retrouver leurs visage et leur demander s'ils sont prêts à recommencer ce qu'ils faisaient à cette époque, je n'en connais pas deux ou trois qui vous diront qu'ils sont prêts à recommencer. Ils ne savaient même pas à cette époque qu'ils étaient en train d'applaudir leur propre malheur. En termes de malheur, la Côte d'Ivoire, notre beau pays, en a connu. De coups d'État aux rébellions armées, en passant à la guerre, en passant par la rébellion armée. Le sang des Ivoiriens a trop coulé sur le sol. Là où vous faites boigner, dans une vision claire, eh bien décidait, parce que la vie a un caractère sacré, de ne jamais verser une seule goutte de sang sur ce sol, eh bien, tuer est devenu un acte banal. L'ivoirien tue aujourd'hui son frère ivoirien, sans avoir peur de Dieu. Le sang des Ivoiriens a trop coulé. Si la solution de nos problèmes résidait dans tuer les uns et les autres, croyez-moi, chers compatriotes, nous n'en serions plus là. Tellement ils sont morts, tellement ils sont nombreux, les morts dans ce pays, des plus anonymes aux plus illustres. C'est pourquoi, après avoir fait la guerre, et au moment où je m'adresse à vous tous, je voudrais respectueusement m'incliner devant la dépouille de tous ces milliers de morts, de part et d'autre. Parce que, dans mon entendement, si la guerre se fait à deux, eh bien c'est à deux qu'on fait la paix. Parce que dans les deux camps, il faut se le dire, la dernière guerre qu'on a connue, elle a opposé deux des nôtres, non des boindres, Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo, en 1990, eux qui voulaient tous les deux gouverner la Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts dans les deux camps, dans celui de M. Ouattara comme dans celui de M. Gbagbo. Tous les morts se valent. C'est pourquoi je m'incline devant la mémoire de tous. Mais. Comme la guerre ne tue pas tous les Ivoiriens, heureusement, les survivants ont besoin de reconstruire eh l'avenir de la Côte d'Ivoire, de nos enfants. Cela ne peut se faire que dans la paix, dans la concorde, dans la tolérance, dans le pardon, donc dans la réconciliation. J'ai été heureux quand le président actuel, eh bien, au début du quinquennat, nous a invités tous à aller à la réconciliation. J'ai applaudi de mes deux mains en tant que militant du PDCI-RDA pour saluer cette politique de réconciliation. Cinq ans après, je dois malheureusement reconnaître que nous n'avons pas encore ouvert la première page eh bien, de cet important chantier, pourtant indispensable. Unis, rien ne peut nous résister. Mes chers compatriotes, ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette guerre doivent comprendre que pour aller à la paix, il faut prédisposer nos cœurs à aller au pardon. Oui, c'est parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher. C'est parce que je suis condamné à continuer ma vie avec mon bourreau, celui qui a tué ma famille hier, que je suis obligé. Parce qu'au fond, je vous vois tous les vendredis à la mosquée. Je vous vois tous les dimanches à l'église en train de réciter le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation. La Côte d'Ivoire est un peuple béni. Une terre bénie de Dieu, faisons en sorte de mettre en application eh bien, ces enseignements de Dieu pour que nous donnions une chance à notre pays. Les vrais problèmes sont ceux qui sont sous nos yeux. En tant que jeune, pour avoir parcouru toute la Côte d'Ivoire, j'ai pu observer qu'ils sont des milliers à qui vous avez donné l'éducation, qui ont été à l'école, qui sont parés de diplômes, qui ont vécu pour la plupart 30 ans, 40 ans, et qui sont couchés à la maison chez eux, à ne rien faire. Ils n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi, mes chers compatriotes. Eh bien, je vous pose la question. Un enfant que vous avez mis au monde, qui a été à l'école, qui a des diplômes, et qui a vécu jusqu'à 40 ans, sans avoir jamais goûté au bonheur d'un premier emploi, alors que la constitution de ce pays lui fait obligation d'aller à la retraite à 60 ans, eh bien, je me demande, à quel âge ces derniers-là auront un premier emploi à quel moment ils s'organisent pour eux-mêmes, se construire leur vie, la vie de leurs enfants, de leurs épouses, et penser à être utiles à leurs mères et à leurs pères qui leur ont donné la vie pour préparer ensuite leur retraite. Et pourtant, la mort n'attend pas. Elle frappe à tout âge. À 15 ans, on peut mourir. À 20 ans, on peut mourir. À 40 ans, on peut mourir. Et quand on y prend garde, on sera bien compte qu'en définitive, la vie de nos enfants n'aura servi à rien sur Terre. Et pourtant, ils sont diplômés des grandes écoles. Ce qui fait le plus mal, c'est que pendant que ceux qui ont des diplômes à l'école sont couchés à ne rien faire, certains de leurs frères, qui, parce qu'ils ont pris les armes pour couper le pays en deux, endeuiller des familles, éventrer des femmes enceintes, égorger des gendarmes vivants, eh bien, c'est à cela qu'on donne tout. C'est-à-dire quoi Quelle leçon donnons-nous à notre jeunesse et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire À quoi sert l'école à quoi sert l'école Si aller à l'école ne peut pas vous donner une chance d'avoir un travail pour vous construire une vie, pendant que prendre les armes vous produit de l'emploi, eh bien ce n'est pas une bonne leçon qu'on donne eh bien, à notre jeunesse. Eh bien mes chers compatriotes, parce que je vous connais, et parce que vous me connaissez, devant les problèmes qui sont les nôtres, à savoir la pauvreté, donc la misère, l'emploi, la sécurité, l'école, et j'en passe, la cherté de la vie, je ne viendrai pas sur ce plateau vous promettre des milliards. De toute façon, un pays qui passe son temps à s'endetter à l'extérieur ne peut pas promettre des milliards, eh bien, à ses enfants. Par contre, je vais vous dire, dans un langage de vérité, comment vous et moi, ensemble, en ne comptant que sur nos forces, nous pouvons créer nos propres richesses. Et continuer notre progrès. Le président Félix oufouette boyer disait en 1932, on nous a provoqué ». Justement, il faisait allusion au prix de nos matières premières. Malheureusement, 55 ans après notre indépendance, je suis au regret de constater que la Côte d'Ivoire s'est contentée de maintenir cette logique d'exportation systématique de nos produits et de nos matières premières. Dans ces conditions, nous ne serons jamais maîtres. De, du prix de nos matières premières et par conséquent, nous ne serons jamais maîtres de notre destin. Alors, mes chers Ivoiriens, je vais vous proposer un programme économique et social, mais alors là, simple, basé sur trois axes stratégiques. Le premier axe, c'est la transformation industrielle de nos produits agricoles, de nos matières premières. Faire en sorte... Que ces usines soient implantées chez nous, ici à Côte d'Ivoire, et non à l'étranger, de sorte que, par leur présence, eh bien, ils puissent embaucher nos enfants et les bras valides. Et vous me direz, comment je fais pour créer bien ces usines Alors, il y a deux façons de le faire soit par l'emprunt. Or, vous savez qu'aujourd'hui, l'emprunt coûte cher et il est difficile d'avoir, eh bien, du soutien de l'extérieur parce que ceux qui donnent eh bien, eux-mêmes connaissent quelques difficultés. La seule chose qui nous reste, mes chers compatriotes, c'est de faire en sorte que nous puissions créer des conditions d'une défiscalisation, qui sera donc le deuxième axe de ce que je vous propose. La défiscalisation, eh bien, créera en Côte d'Ivoire une sorte de paradis fiscal qui va entraîner, attirer chez nous, eh bien, les capitaux étrangers qui ne supportent pas l'enfer du paradis. Le, 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 qui ne supportent pas l'enfer, n'est-ce pas, euh, euh, européen dans lequel, ou occidental, où se trouve l'enfer de la fiscalité, où se trouvent donc leurs leur, leur capitaux. De sorte, en fuyant l'enfer fiscal de l'extérieur, ils viendront justement investir abondamment chez nous et ça nous permettra de créer beaucoup de sociétés. Et croyez-moi, je vais diviser la Côte d'Ivoire en six zones industrielles et créé dans ces six zones industrielles, selon les réalités des productions de ces localités, eh bien, plus de 80 usines en 5 ans. Est-ce que vous savez qu'en dehors du café et du cacao, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, eh la transformation de la Tchéquie, simplement, peut valoir à la Côte d'Ivoire la bagatelle somme de, de, de 20 000 milliards de francs CFA, et que la transformation de la mangue, qui n'a l'air de rien, avec quoi on joue au quotidien, peut valoir également la Côte d'Ivoire, et eh bien annuellement, la bagatelle somme de 20 milliards également. Si nous procédons à l'industrialisation effective de notre pays, et eh bien c'est au total plus de 162 000 milliards de francs CFA que nous allons avoir comme sous, et vous comprenez bien. Et comme ces usines sont ici, qu'on emploie nos enfants dans ces usines, et eh bien la pauvreté va foutre le cas. Et à travers la détaxe, la défiscalisation, vous comprendrez aussi que les produits que nous allons importer, et bien plus qu'il n'y a plus de TVA, vont coûter moins cher, tout comme ceux qu'on va produire chez nous. Et par ces mesures de plus-value que nous tirons de la transformation industrielle, eh bien, va inciter nos paysans à produire davantage. Et plus ils produiront, eh nous aurons beaucoup de produits sur le marché ivoirien, en conséquence les prix vont baisser, nous allons agir de cette façon, de façon concrète, sur la cherté de la vie pour que le panier et la ménagère se sentent mieux. J'entends beaucoup de discours autour de nous sur le fait que nous connaissons un taux de croissance de deux chiffres. Je voulais rappeler aux uns et aux autres, le président Félix Oufouet-Boigny, avec un taux de croissance de 6%, maximum 7%, Oufouet, eh bien, a créé la prospérité. Les ivoiriens se sentaient mieux. nous mangeions bien tellement bien que nous nous payons même le luxe d'inviter nos voisins à notre table. Comment vous pouvez comprendre qu'au moment où on nous parle d'une croissance économique à 10 de 8%, c'est à ce moment là que les ivoiriens sont pauvres, que les femmes ne peuvent pas acheter même du piment au marché. C'est la preuve que ces chiffres qu'on nous avance sont des chiffres fictifs pour la simple raison que on peut justement créer de la croissance? qui ne repose que sur la hausse des prix des produits sur le marché. Ce n'est pas ça, une croissance qui peut donner, et donc la prospérité, et donner du travail aux jeunes de Côte d'Ivoire. Le troisième et dernier axe que je propose aux Ivoiriens, c'est la déréglementation. Eh bien, si vous voulez que les capitaux ivoiriens étrangers viennent nous aider, alors que chaque fois que des amis de la Côte d'Ivoire ont souhaité venir investir chez nous, dès qu'ils arrivent, eh bien... Ils sont obligés de payer des pots de vin aux ministres, aux DG, aux directeurs de cabinet, ainsi de suite. Finalement, même s'il n'y a pas de TVA, vous vous rendez bien compte qu'ils sont extorqués et dépouillés, ils retournent chez eux. C'est pourquoi je ferai en sorte que plus jamais quelqu'un qui veut investir en Côte d'Ivoire ne soit dans l'obligation de passer par toutes ces étapes. Il faut construire directement. Et l'État ne prélèvera que 10% de TVA sur tous les investissements, sur tout ce que nous créerons. Et avec ces 10%, l'État se mettra à construire la prospérité qui va être partagée par tout le monde. Si vous voulez bien, dans les détails, je pourrais vous dire avec précision comment j'entends faire la répartition de ces richesses pour que les Ivoiriens se portent mieux, afin que là où va régner finalement eh bien, la prospérité, nous puissions dire au revoir à la guerre, parce que croyez-moi, dans le bonheur, il n'y a pas de temps pour la guerre, mais là où règne la misère, il y a toujours eh bien, la guerre. Alors, notre entretien va tourner autour de quatre axes principaux la politique nationale, l'économie, le social et les relations internationales. Mais avant, il était difficile de vous recevoir, monsieur Kouadio, de vous recevoir et ne pas échanger avec vous sur une question qui préoccupe les Ivoiriens. Vous êtes un enfant, ce n'est pas péjoratif, hein, vous êtes un enfant. Du PDCI. Vous êtes du Sérail. Vous avez occupé très tôt des postes importants. Vous avez, si je ne m'abuse, dirigé pendant près de 12 ans la jeunesse du PDCI. Alors, certaines opinions politiques et même parfois publiques disent que vous êtes un enfant spirituel de M. Henri Conan Bédier. Et beaucoup plus loin, pour le conseiller que vous aviez été à port bouy il y avait à côté de vous une dame que je vous ai entendu souvent appeler maman, Madame Aka Et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en qualité de candidat indépendant que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que la rupture est consommée entre vous et le PDCI, votre parti originel Merci de me donner cette énième occasion pour bien faire comprendre aux Ivoiriens le sens de mon combat. Je ne m'embarrasserai pas de complexes inutiles. Je veux rester les deux pieds dans la tradition. Oui, je reconnais à la face des Ivoiriens que j'ai considéré et je continue de considérer M. Bédier comme un père. Je l'ai choisi librement. On ne me l'a pas imposé. Nous nous sommes rencontrés au PDCI RDA partageant les mêmes valeurs. Je précise au passage que j'ai connu Oufouet. Oufouet m'a connu. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je suis venu au PDCI et RDA pour des valeurs que j'ai indiquées tout à l'heure. Des valeurs de pardon, des valeurs de tolérance et des valeurs de rassemblement. Un parti politique, mes chers compatriotes, quand il se crée, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Et la présidentielle, c'est la mère de toutes les batailles en politique. C'est autour de cette élection présidentielle que s'organisent toutes les activités de tous les partis politiques. Pendant cinq ans, on a mis nos militants sur le terrain. Pendant cinq ans, ils ont été au contact des populations, à supporter leurs désidérata. Parce qu'en clair, tous nous savions que cinq années après, nous irions aux élections présidentielles. Et la date est connue constitutionnellement, c'est le 25, et eh bien dans une semaine. Voilà que le PDCIRDA. Qui est qualifié par Aoussou Jano à juste titre comme un parti rabougri. Oui, le tout n'est pas de dire qu'il est rabougri. Comment sommes-nous arrivés là Nous étions un parti bien grand, prospère, du temps de Félix Oufouette-Boigny, qui, je veux dire, mobilisait quasiment toute la Côte d'Ivoire. Eh bien, en 1993, après la mort du père fondateur, des Ivoiriens au PDCI-RDA ont éprouvé le besoin de quitter le pdc rda librement. Nous sommes en démocratie. N'oubliez pas que depuis 1989, nous avons fait le choix de revenir au pluralisme, au multipartisme. On ne peut donc pas obliger quelqu'un à rester dans un parti s'il ne veut pas y rester. Alassane Draman Ouattara était le numéro 2 du PDCI du temps du président Oufouet. Et ce n'est pas à vous que je le dirai cela, puisque nous nous connaissons bien. À la mort du président Oufouet, il décide de quitter le PDCI en promettant par la voix de feu Guéni Kobna de réduire le PDCI-RDA à l'état de relique au nord et à l'état de vestige au sud. Mmh. Je dois comprendre que là où le PDCI gagnait systématiquement, faisait ses meilleurs scores dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons presque disparu aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est l'action du RDA et donc de son mentor, mmh. Alassane Ouattara. Mmh. Ça n'a pas suffi en 1993, après la mort du père fondateur, le président Oufouet, que Alassane lui-même considère comme son père. Eh bien, le père, avant de mourir, a indiqué le chemin pour la suite, pour le progrès. Il dit, si je ne suis pas là, eh bien, appliquez l'article 11 de la Constitution pour que devienne président Henri Conan Bédier. Alassane Ouattara, fils d'Oufouet, Premier ministre de la Côte d'Ivoire, est le seul qui s'oppose à l'application de l'article 11. Et vous savez vous-même, de mémoire des journalistes à la RTI, combien ça a été mouvementé, là, que Bédier prenne la RTI s'adresser aux Ivoiriens en 1993. Mmh. Eh bien, Bédié a eu le dessus. Mais Bédié, certainement, vrai ou fautiste, n'a pas cherché à se venger de Ouattara. Il lui a même donné sa liberté. Il est sorti du pays. Aucun de ses proches, aucun de ses parents n'a été inquiété, n'a été mis en prison. Mais je suis heureux de constater que depuis qu'il est parti de la Côte d'Ivoire, eh il n'a pas manqué de proférer des menaces. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je vais décréter la chienne-lie. C'est la première fois dans ma vie de jeune Ivoirien que j'entendais ces propos de la bouche d'un leader politique le de son rang. Quelqu'un qui a fait le FMI, qui a eu une carrière professionnelle, enviée de tous les jeunes de ma génération, de partout en Afrique, venir s'illustrer de cette façon, ça nous pose problème. Et bien, comment vous pouvez admettre que 15 ou 20 ans après, le PDCI se rassemble pour convenir que celui qui a été son bourreau soit celui qu'il désigne pour aller compétir en son nom. Alors que le président français, M. François Hollande, a indiqué clairement dans ce pays qu'un parti politique qui refuse d'aller à une élection eh bien, signe son acte de décès. Chers frères et sœurs, militants du PDC hier, je ne veux pas participer à la mise à mort du parti de Félix Oufouette-Boigny. Or, ne pas avoir de candidat, c'est décidé de tuer le PDCI d'Oufoué. Qu'est-ce que le PDCI a fait à cette Côte d'Ivoire Lui qui a libéré la Côte d'Ivoire du jour colonial. Lui qui a bâti la Côte d'Ivoire dans l'harmonie. Comment le PDCI peut disparaître du jour au lendemain Nous inviter dans un appel futile de Daoukro, eh bien, c'est nous inviter à tuer le PDCI. Je ne peux pas l'accepter. Oui, je reconnais aussi Madame Ortasaka Angui. Je ne peux jamais oublier, eh bien, le service qu'elle m'a rendu dans la vie. Mais qui est-elle, madame Akangui C'est la fille de Gabriel Dadier. Vous le savez bien. Celui, ce grand planteur prospère à Agboville, qui est parti avec une délégation, chercheur Félix Oufouette-Boigny, pour venir diriger le syndicat agricole africain qui va donner ensuite naissance au PDC-IRDA. Elle fait partie de ce que j'appelle les dépositaires du PDC-IRDA. Elle ne peut pas, et en tant que fils, je crois lui avoir dit, participer à une quelconque action qui débouche sur la mort du PDCI RDA. Je suis bien dans l'obligation, bien malgré moi, de ne pas suivre cette voie. Ça ne fait pas de moi un indiscipliné, bien au contraire. Ça ne fait pas de moi un renégat, un ingrat, bien au contraire. Je veux rester militant, discipliné. J'ai une ligne, j'ai une trajectoire, qu'il ne soit pas en train de géométrie variable. Je défends le PDCI, je veux que nous puissions nous battre pour que la démocratie soit dans ce pays. Dans les années 90, des devanciers se sont battus pour l'espérance démocratique. Battons-nous pour enraciner et préserver ces acquis démocratiques, pour que nous puissions enseigner ces valeurs aux jeunes générations, pour éviter les conflits d'avenir. Très bien. Alors, Kadi Fofana, euh, tout à l'heure, euh, Monsieur Kwadjo Konabertin a insisté sur la notion de réconciliation nationale. Il est à vous. <laughs> Bonsoir, M. Kouadio -Bertin. Bonsoir. Dans vos propos liminaires, vous avez dit que cinq ans après la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, toujours pas de réconciliation. Au Rwanda, le génocide qu'il y a eu, ça fait maintenant 21 ans. Beaucoup n'ont pas encore réussi à surmonter ce drame. Alors, la réconciliation en Côte d'Ivoire, pouvez-vous l'obtenir si vous êtes président le temps de vos cinq ans de mandat C'est la chose, il me semble, la plus simple à réaliser. Il suffira tout simplement d'aimer la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je suis très souvent inquiet, malheureux et triste quand j'entends de la bouche eh bien, des personnes eh bien, replacées dans ce pays qui pensent être au pouvoir parce que c'est leur tour. Eh bien, c'est notre tour là. C'est ça qui tue la Côte d'Ivoire. C'est ça qui détruit notre pays. Il n'y a pas le tour de quelqu'un. Il y a le tour d'un peuple, un seul peuple. Un seul peuple. Il n'y a pas le tour de quelqu'un. Je pars du principe que la guerre se fait à deux. Eh bien, si la guerre se fait à deux, c'est à deux qu'on doit aller à la paix. Or, là, en 2010, les deux citoyens qui se sont battus pour des élections présidentielles sont d'un côté Alassane Dramano Ouattara et de l'autre côté Laurent Gbagbo. Et comme je le dis, si on est ivoirien et qu'on connaît bien nos traditions et nos cultures en Côte d'Ivoire, comment règle-t-on nos problèmes et nos différends dans nos villages? Quand il se trouve que dans un village, deux villageois, deux frères en viennent à se bagarrer et que la chefferie veut régler le conflit, le conflit, eh bien, on invite les, be les deux belligérants sous l'Abaparabe, autour de la chefferie. On leur donne la parole à tous les deux. Les deux s'expliquent. On prend le soin de les écouter. Et puis après, après les avoir écoutés, au nom de l'intérêt supérieur du village, on décide de ne pas être complaisant et d'attribuer à celui qui a tort son tort en leur demandant de s'embrasser pour que la paix revienne. Mais si, pour une raison ou pour une autre, pendant que ces deux sont arrivés à se battre et que le chef central décide de chasser du village un des belligérants, c'est bien, vous l'avez chassé, il est parti. Mais celui qui reste seul, l'autre belligérant, avec qui il parle, avec qui il dialogue, avec qui il se réconcilie, la, la guerre se fait à deux, la paix se fait à deux. Dans ces conditions... Nous sommes en pleine République. Il me semble que nous avons choisi d'aller à la réconciliation par la justice. Oui, c'est une bonne chose. Et en tant que député, je ne peux pas m'opposer eh à l'application de la justice. Mais de quoi parlons-nous Il me semble qu'on veut faire la lumière sur tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais les morts, il y en a eu dans le camp de Ouattara, comme il y en a eu dans le camp de Babou. Nous sommes dans l'obligation, au nom de cette même justice, de faire la lumière sur tous les morts. Si on estime que. C'est à la haie qu'on peut faire la lumière sur les morts. Dans ces conditions, la bonne logique voudrait que tous les belligérants soient déportés à la haie. De sorte qu'on leur donne la parole et que les Ivoiriens les écoutent pour qu'on sache qui dit vrai et qui ment. Ce n'est pas le cas. Eh bien, Gbagbo a été seul déporté à la haie. Et on croit qu'on est ainsi réconcilié. Je suis toujours à l'écoute des Ivoiriens. Celui qui pense que le fait que Gbagbo ait été éloigné de la Côte d'Ivoire, eh bien, ça suffit pour penser qu'on est réconcilié. Moi, je n'y crois pas. Par contre, il me semble que la chose la plus simple que nous puissions faire en tant qu'Africains, c'est de donner du sens à nos valeurs. On dit chez nous que le linge sale se lave en famille. Nelson Mandela, après avoir séjourné 27 ans en prison, quand il sort eh bien, de prison, il ne pense pas à se venger de ses bourreaux, il tend tout de suite, immédiatement, la main à ses bourreaux, sans même chercher à savoir qui a fait quoi. Ce qui est important pour Nelson Mandela, eh c'est l'Afrique du Sud de ce, de ce moment et de, de l'avenir. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est là, un exemple, un exemple de pardon. Si le linge sale se lave en famille, alors on choisit de régler tous nos problèmes en famille. Eh bien, mes chers Ivoiriens, je vous le dis pas par démagogie politique, je vous le dis parce que j'y crois. Parce qu'au Fou m'a appris une chose la politique, l'homme, la fait, eh bien, pour l'homme. L'homme est au centre de la préoccupation politique. C'est pourquoi en 1983, si mes souvenirs sont bons, où il est allé chercher le président Gbagbo de la France, où il se disait en exil, pour le ramener en Côte d'Ivoire. Eh bien, mes chers compatriotes, je vous fais la promesse. Si je suis président de la République de Côte d'Ivoire, en une semaine, je ferai rentrer sur le territoire ivoirien tous les fils de ce pays. S'il y a des prisons à faire, ils les feront dans notre pays. Et je pense que si nous devons donner... Une chance, et eh bien, à la réconciliation, il faut libérer tous ceux qui sont en prison, en Côte d'Ivoire et ailleurs. De mémoire d'Ivoirien, je n'ai jamais vu nos prisons aussi pleines de leaders d'opinion, d'hommes politiques qui, en réalité, n'ont pas leur place dans ces prisons-là. J'espérais, en tant que fils d'Oufouin, qu'Alassane comprendrait ce message pour apporter, eh bien, un autre signal fort en cherchant à décrisper, eh bien, l'atmosphère générale autour de ce scrutin, pour qu'on y aille eh bien, dans un consensus et de façon apaisée, en libérant tous ces prisonniers. Mais que non, ils y sont. Et on s'imagine que cela empoisonne l'atmosphère nationale. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à regarder le manque d'engouement. Les Ivoiriens ne vont pas chercher les cadres électeurs à cinq jours du vote. Les Ivoiriens se donnent d'autres chats à fouetter. Ils ne se sentent même plus concernés par la vie de leur propre République. Mais il faut qu'on trouve les raisons et les choses qui expliquent ce comportement-là. Tant qu'on ne réussit pas la réconciliation, il me semble que tout le reste va être difficile. C'est pourquoi j'en fais la priorité. Bien sûr, en dédommageant toutes les victimes. et est vrai, j'ai du mal à comprendre que cinq ans après, on n'est pas encore fini de dédommager tous ceux qui ont pris les armes dans ce pays. Étaient-ils aussi nombreux Étaient-ils aussi nombreux Comme on dit à Bigan, ça prend cinq ans. Ça prend fin quand Je vous dis tout à l'heure, dans le cadre de cette campagne, j'ai envoyé tous mes délégués au Nord. Tous ont été conduits. Tous ont été brutalisés. Mes affiches ont été sauvagement déchirées. Mais regardez comment les Ivoiriens du Nord, eh bien, ça charge sur des affiches de simples photos. Et dire que moi-même, physiquement, je vais m'y rendre. Alassane est le seul qui tourne partout sur l'ensemble du territoire à battre la campagne. Il y a une pan entière de la République qui est interdite au reste des Ivoiriens. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Aïe Savary, ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. La très Côte d'Ivoire, elle est une, oui, elle est indivisible. Euh, je, je voulais juste, justement vous demander, euh, au niveau de la réconciliation qui vous tient à cœur, une réconciliation comme celle-là qui, à votre avis, a du mal hein, à se faire, vous envisagez de mettre sur place... Euh, un haut conseil, haut conseil de la réconciliation. Tout à fait. Alors, quel sera son mode de fonctionnement, quel sera le mécanisme? Est-ce que euh, ce genre de modèle n'a pas été déjà essayé dans notre pays? Vois. Vous savez, tout dépend de la volonté politique qu'on y met. D'accord Ce ne pas les postes qui font les hommes et c'est les hommes qui font les postes. Je créerai justement le Haut Conseil qui va remplacer la médiation, mais en lui donnant des grands pouvoirs très élargie, pour prévenir les risques. Parce que, ça vous l'avez dit d'entrée de jeu, gouverner, c'est prévenir. La crise qu'on vit, elle ne veut pas dire que demain, il n'y a pas d'autre crise. En cherchant à résoudre celle qu'on vit, il faut prévenir les crises éventuelles qui peuvent survenir. Donc, ce n'est pas un rôle ponctuel. Il faut faire en sorte que ce haut conseil ait un sens, mais parce que dirigé par un Ivoirien au-dessus de tous qui sont intègres, et que ça ait de la crédibilité. Alors, je vous le dirai. Parce que dans mon programme, quand je vous dis que je m'emploierai à reconstruire la stabilité de ce pays, la stabilité qui passe par quoi La mise en place d'institutions crédibles. Obama nous l'a dit, ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas d'avoir des hommes forts, mais des institutions fortes. J'ai passé trois ans à, sonne, à tirer la sonnette d'alarme pour dire que cette seuil que nous connaissons, qui a déjà à son actif une élection présidentielle qui a débouché sur des milliers de morts, on a reconduit tout simplement les mêmes acteurs. Là où ailleurs, sous d'autres cieux, des citoyens, parce qu'ils ont la culture de démission, auraient dit, écoutez, je préfère me retirer, il y en a qui s'entêtent à demeurer là. Comme si de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, ces milliers de morts, ils n'ont pas une part de responsabilité. Ils ne se repro reprochent rien et on s'accroche les mêmes causes, produisant les mêmes effets, je crains qu'on ne prépare bien. là encore les ingrédients de la répétition de l'histoire. Alors, euh, on va continuer. On, on vie, va rester oui. encore sur le Haut Conseil de la Cohésion nationale. Et, à, Traoré vous a demandé comment est-ce que ce Haut Conseil va fonctionner réellement après avoir désigné une personne au-dessus de tout soupçons. Comment est-ce qu'il va fonctionner? Vous avez vu l'exemple que nous a donné tout récemment le Moronaba au Burkina. C'est une autorité traditionnelle dans la confusion qui a régné au Burkina, parce qu'il est respecté, certainement, parce qu'il a une certaine crédibilité, il a un pouvoir, une autorité sur le peuple. Tous les belligérants se sont retrouvés chez lui dans la même nuit, sans même attendre l'arrivée de, 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 de la CEDEAO. Le Burkina avait réglé leur problème parce qu'il croit en cette autorité traditionnelle. Est-ce que vous pensez à que quoi dans sert? notre pays, on a ce profil Nous devons l'avoir. Pourquoi bien. pas Nous devons. Il y a quand même des rois dans ce pays, des chefs coutumiers, dans ce pays, il ne faut pas que nos rois et nos chefs coutumiers ne servent qu'à décorer et faire la libation pour accompagner le leader politique. Il faut aussi qu'ils soient capables de regarder leurs enfants que nous sommes droit dans les yeux pour leur dire ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et ce qui ne l'est pas. C'est là leur responsabilité. Pourquoi forcément prendre des rois et des chefs Pourquoi ne pas aussi penser à, à une personne qui a été victime, une victime qui s'adresse à d'autres victimes Est-ce que le message ne passe pas mieux Je ne dis pas que je prendrai les rois, j'associerai les rois. Et chef traditionnel. Forcément, qu'il y aura un citoyen ivoirien, quand même au-dessus de tout soupçon, qui joue encore une crédibilité aux yeux d'une grande partie des Ivoiriens, pour assurer cette fonction. Et je vous ai dit, elle aura une autonomie de fonctionnement et d'action, de sorte qu'elle puisse même regarder le chef de l'État que je serai au soir du 25 octobre pour me dire ce qu'il faut dire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur on va revenir sur le chapitre de la réconciliation, si vous permettez. Alors, pour certains. Durant la première semaine de la campagne, vous êtes rendu à Lakota, à Yopuyo, à Gagnois, à Memli récemment. Vous avez justement parlé de la libération de euh, Blégoudé et de Laurent Bagbo qui sont à La Haie. Vous avez même dit que vous avez fait cinq visites, vous avez rendu cinq visites à ces personnalités. Alors, d'aucuns pensent que c'est de la récupération politique que, que vous menez ainsi, puisque nous sommes en pleine campagne électorale Ben, j'ai commencé ce discours avant d'être candidat. Je vous dis. Ma première visite à la Haye. J'ai été pour la première fois à la Haye simplement, dans le respect de nos valeurs traditionnelles, pour apporter le réconfort, et bien, en pareille situation, à quelqu'un, à un Ivoirien qui a perdu sa mère. Le président Laurent Gbagbo a quand même été président de la Côte d'Ivoire, et tous les Ivoiriens savent que j'étais opposé farouchement au président Gbagbo. Je ne figure pas parmi ceux à qui il a fait du bien dans ce pays, mais. Dieu seul sait combien de mamans des autres, beau entrer dans ce pays. Voici quelqu'un qui se trouve vivant et qui ne peut pas aller aux obsèques de sa propre mère en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien. Vous savez, nous tous, autant que nous sommes, chacun rêve d'enterrer dignement sa mère. Et je vois un Ivoirien, ça aurait pu être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous savez bien que la manifestation de, nos, euh, de notre culture commande que quel que soit le degré d'animosité entre deux Ivoiriens, quand un perd quelqu'un de lui qui est cher, eh bien l'autre lui est solidaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai été le saluer. Et croyez-moi, si j'avais été à la place de ces nombreux conseillers autour de la salle Ouattara, je lui aurais même proposé de saisir l'opportunité de la mort de cette maman, cette dame qui n'était rien d'autre que la maman de l'ancien président, pour réconcilier les ivoiriens. De quelle façon D'une façon plus simple, comme on le fait en Afrique. Le président Ouattara aurait pu désigner un collège de de, de cadre du RDA, des ministres, pour dire, bon, c'est vrai que je ne peux pas m'y rendre pour des raisons, je sais rien, mais vous allez voir M. Babo pour lui dire que nous restons après tout des frères. Au moment où il perd sa mère, j'envoie une délégation pour compatir, pour le saluer, et puis demander avec lui comment la République de Côte d'Ivoire peut enterrer cette dame qui n'était rien d'autre que la maman de l'ancien président. Parce qu'au fond, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça que chez nous, en Baoulé, on vous dit, quand vous mangez la main du singe, regardez votre propre main. On l'aurait enterré dignement, qu'on serait reparti le voir pour le dire, c'est vrai, la vieille est enterrée. Mais les vivants, là, ils ne se parlent plus. Ils sont les milliers dans la sous-région. Quelle que soit l'hospitalité de nos frères autour de nous, les Ivoiriens ne peuvent pas être mieux que chez eux. Comment on s'accorde pour faire entrer tout ce monde, pour créer les conditions de retrouvailles et bien du revivre ensemble que, 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 que répondez-vous à ceux qui pensent que vous faites de la récupération politique Oui ou non Non. Vous pensez non. que vous êtes ivoirien, vous avez agi, tout simplement. Je suis ivoirien, je suis je PDCI. Suis... Mais quand vous me retrouvez aux obsèques du petit frère de Amado Soumaro, mm -hmm. le secrétaire général du RDR, qu'en dites-vous Ça C'est l'opinion. Non, puisque je vais aux obsèques des autres. Alors quand je vais soutenir Gbagbo parce qu'il est en deuil, mm -hmm. je cherche à faire la récupération. Mais quand je vais aux obsèques du petit frère d'Amadou Soumauro, eh bien là, c'est normal. Non, attention, pas de poids, de mesure. Où on est ivoirien, on nomme la Côte d'Ivoire, on a une attitude pour l'ensemble des ivoiriens. Le deuil n'a pas de couleur politique. Le deuil, c'est un deuil, il peut frapper tout le monde. Et un bon ivoirien, il est humaniste. C'est ce que j'essaie de démontrer. Au-delà du deuil, est-ce que vous pensez que euh, ce combat de la libération de Gbagbo et de Charles Blegoudé n'est pas de la légitimité du FPI Puisque même sur ce plateau, le candidat du FPI l'a démontré ici. Il a démontré en quoi, disant je n'ai pas suivi. Il a indiqué qu'il allait libérer le, Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Le fait que vous récupérez la même chose, est-ce que vous, pour pour certains en tout cas, ça doit revenir de droit au FPI Est-ce qu'on a besoin d'être militant d'un parti politique forcément pour éprouver de l'amour pour les citoyens ivoiriens, tout simplement Le président Oufouet a perdu sa grande sœur dans un élan de solidarité nationale. Tout le monde s'est rendu à Yamoussoukro pour enterrer cette dame. Laurent Gbagbo, adversaire du fouet, est allé à ses obsèques. Est-ce que ce n'est pas beau Est-ce qu'à l'époque, on a pensé que Gbagbo cherchait à faire la cour aux militants du PDC-IRDA C'est un comportement typiquement ivoirien. Faire autre chose, c'est ça qui est anormal. Très bien. Alors, vous avez euh, Kadi, Fadiga. Vous allez, nous, allons, euh, oui, nous allons maintenant aborder Celui notre nous sujet. Celui qui ne comprend pas ça. Il a du mal à me convaincre sur les, de ce qu'il est ivoirien. Très bien. Je pense que euh, les, les gens donnent leur opinion sur un certain nombre de choses, Monsieur Kwadio. Vous l'avez tout à fait compris. Euh, Kadhi Fatiga, nous allons aborder maintenant euh, la question du justice, des sécurité oui, de et des défense. C'est des termes qu'il a utilisés et auxquels il tient. Oui. Il tient véritablement Et puisque parler quand même de cohésion sociale ça aussi rend justice donc euh, monsieur Kouadio Konan Bertin quel est votre regard sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire non j'avais été aussi en prendre n'est-ce pas d'impartialité est-ce qu'on peut encore parler de droits de l'homme en Côte d'Ivoire je vous parle là de faits récents. Hier, mon QG de campagne d'Adiake a été attaqué par des militants du RDR. Quatre, quatre parmi eux sont heureusement au, euh, au commissariat. Ils vont passer encore du temps là-bas pour qu'ils soient corrigés. Parce qu'il faut qu'on les corrige, qu'on les rééduque. Moi-même, député de mon État, j'ai été frappé à Bono bastonné, humilié par les militants du RDR que j'ai formellement identifiés en tenue à la salle Ouattara avec photo à l'appui. À cette période oui. oui, à cette période, déjà. À cette déjà période. à cette période ah, de campagne. Oui, campagnes. oui, 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 à cette période. Non, pas maintenant. Ah pas maintenant. Il y a, Heureusement. Il y a bien 4 ans et demi. Il y a quatre ans et demi. Personne n'a réagi. D'accord. Même pas l'Assemblée nationale mmh. à laquelle j'appartiens, où je siège. Mmh. Encore moins le gouvernement. Parce que moi, je n'ai pas de droit. Est-ce que je suis un humain aussi Et ces exemples sont légions. Jusqu'à aujourd'hui, des maisons continuent d'être occupées. Mais au nom de quoi on va occuper indéfiniment des maisons de gens qui ont construit, qui ont souffert pour bâtir ces maisons. Il faut d'abord faire la démonstration qu'ils ont acquis ces biens-là de façon illicite. Et puis c'est à la justice de, de faire ce qu'il y a à faire. Mais les citoyens ne peuvent pas se faire eux-mêmes justice, occuper éternellement les maisons des autres. Et puis la vie continue. Je vous ai dit tout à l'heure, le président Alassane lui-même a regardé le roi de l'indénier droit dans les yeux pour lui dire qui ne savait pas que Assou était en prison. Comment peut-il se faire que dans une république sérieuse, on emprisonne sans que le chef d'État ne soit informé Vous me parlez des droits des droits de citoyens, mais j'observe que deux semaines après ce meeting, il n'est toujours pas au courant qu'Afi Adou est encore à la Maca, puisque rien n'est encore fait. Je crois que nous devons faire en sorte de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui respecte, mais scrupuleusement, les droits. C'est une des conditions pour que les investisseurs étrangers viennent chez nous. Quel mécanisme vous allez mettre en place En appliquant Pourquoi la loi pour tous, en appliquant la loi pour tous, la justice pour tous, il faut apprendre à punir, à punir. Il faut que l'Ivoirien nouveau, justement, soit un Ivoirien modèle. Moi, je ferai en sorte, heureusement que j'ai entendu quelques-uns aussi développer cette notion d'Ivoirien nouveau, mais je vous signale au passage. Qu on ne fera jamais du neuf avec du vieux. L'ivoirien nouveau, heureusement, qu'on ne donne pas le même contenu. Eh bien mes chers frères, ce que je veux de vous pour que vous soyez des Ivoiriens nouveaux, c'est que plus jamais vous n'accepterez de vous faire entendre dans une république quelle oui, que oui. soit votre raison par les armes. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui place au cœur de tout l'amour de la patrie. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui ne se construit pas une vie en braquant les banques. L'Ivoirien nouveau c'est celui qui ne se construit pas une vie dans le sang des autres. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui est convaincu que la vie est sacrée. Que Dieu seul donne la vie et qu'il appartient à Dieu et à Dieu seul de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain à cause de ses opinions politiques. La Côte d'Ivoire doit revenir à ses valeurs. Mais ces valeurs cardinales qui ont fait de nous notre spécificité, notre spécificité. C'est vrai qu'il y a des concepts <laughs> qu'on ne peut pas développer Très bien. au risque de s'attirer le courroux des autres, mais restons ivoiriens. Et l'ivoirien, il ne peut pas tuer un autre. Aujourd'hui, alors... comment vous, vous acceptez oui. que nos enfants de 14 ans, nos jeunes de 13 ans, se donnent eux-mêmes le nom de microbes et se convainquent que pour vivre, il faut qu'ils tuent les autres. À Bobo, il faisait si bon vivre. À Yopougon, la joie. Aujourd'hui, à partir de 18h, vous avez la peur au ventre. Quand vous êtes dans la rue, cette jeune dame qui est morte dernièrement, je m'incline encore devant sa mémoire. Elle était loin de s'imaginer ce matin bonheur, comme elle avait l'habitude de le faire, comme tous les jeunes de son âge, en allant prendre son bus qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Parce que simplement, quelques enfants qu'on a utilisés dans la guerre et à qui on n'a rien donné, eh bien, veulent se servir sur le terrain. Pour se servir, alors, il faut qu'ils tuent les autres. C'est ça la Côte d'Ivoire C'est ça l'ivoirien Eh bien, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Et en le disant, je suis le plus sérieux possible. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça qu'on se construit. En nous aimant et en étant convaincus qu'on est les mêmes, dans un même creuset, dans une communauté de destin. Notre bonheur doit être le bonheur de l'autre. Notre malheur doit être le malheur de l'autre. Si on le comprend, eh bien on est parti pour sauver notre pays. Et cela ah. revient à l'appareil judiciaire. J'imagine, c'est pour ça peut-être dans votre projet de société, vous mettez le doigt sur la crédibilité et l'accessibilité du système judiciaire. Quel changement allez-vous opérer pour que vraiment on arrive à avoir un Ivoirien ben nouveau Justement, pour, 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 dans la même veine, euh, lorsque vous décelez avec euh, autant d'intensité ce que vous, vous sentez en tant qu'Ivoirien, en même temps, euh, et vous dénoncez les plaies d'un système qui, à votre avis, ne répond pas aujourd'hui du point de vue euh, justice, sécurité et défense. Vous avez... Dirigez, vous devez vous avez envie de diriger la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre solution à ce problème devant vos compatriotes pour qu'ils sachent quelle est la vision de M. Kwadjo Kona Bertin par rapport à la situation sécuritaire et même de la justice Je défends un peu la Côte d'Ivoire avec un peu de passion, je l'admets, parce que j'aime profondément ce pays. Et parce que quand je me réfère à Hegel, je sais que rien de beau comme rien de grand ne peut se construire sans passion. J'aime passionnement le peuple ivoirien. J'aime la Côte d'Ivoire. Je crois d'entrée de jeu vous avoir indiqué le chemin, la voie pour sortir de la Côte d'Ivoire, et bien de la misère, par la transformation de nos matières premières. Ce n'est pas ça une proposition, ce n'est pas une, une, une vision. Je vous ai indiqué que je vais procéder à la défiscalisation. Je vous ai indiqué que je vais passer à la réglementation pour créer eh bien, de la prospérité que je saurais partager entre les Ivoiriens. Bien sûr, ça ne peut pas se faire sans une justice qui accompagne cela. C'est pourquoi eh j'ai pris des mesures concrètes. Je ne pense pas qu'en deux heures, ah, je peu, pourrais je vous peu. dire eh, eh, point par point eh, tous les éléments qui, qui, qui composent ce chapitre, mais... Parce que je me donnerais un gouvernement eh bien, qui est aussi attaché à ces valeurs de justice. Vous verrez bien que nous devons procéder à des réformes institutionnelles et judiciaires pour rendre d'abord notre justice autonome, crédible. D'ailleurs, si je suis président, volontiers, j'accepterai de ne plus être le patron de la justice en Côte d'Ivoire. Je veux qu'elle soit autonome. Quand je suis président... Je ne peux pas diriger un parti politique comme le recommande la constitution ivoirienne. Quand je suis président, eh bien, je serai le premier à donner l'exemple de respect de notre constitution, dans toute sa, son écriture, dans toutes ses dispositions, dans tous ses articles, eh bien, tous les peuples ont droit au respect et il semble que respecter les constitutions c'est respecter les peuples. Si je veux diriger la Côte d'Ivoire, c'est parce que je m'engage à respecter les Ivoiriens en respectant leur Constitution. Vous voyez bien que la séparation des pouvoirs sera une réalité pour permettre à la justice de jouir d'une autonomie relative, lui permettant d'exercer dans l'impartialité, de sorte que quelqu'un qui a des ennuis sache très bien qu'il peut se référer à sa justice sans a priori. Voilà ce que je ferai pour notre justice. Vous avions noté. Pour que cette personne a, euh, qui a des problèmes, là, sache où aller, ça veut dire qu'elle a un euh, justiciable non loin de chez elle. Oh, Aujourd'hui, on se rend compte quand même que... J'ai même pensé, je continue de penser qu'il faut rapprocher... Éloigné. Il faut rapprocher la justice du peuple. Oui. Et dans les nouveautés que je vais apporter, que j'apporterai plutôt, excusez-moi, c'est de faire en sorte de rapprocher justement la justice eh bien, du peuple. De sorte que... Un enfant de Kofi Konakrou ou de Pekeka ne soit pas obligé de payer le transport jusqu'à tengri pour aller eh bien, euh, se faire justice. Donc voilà, si vous voulez, euh, un point fort que je peux annoncer aux Ivoiriens. Monsieur Kouadjou Konabert, nous allons aborder maintenant le volet économique. C'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses. Euh, on a compris que vous étiez en plein là-dedans. Alors, je, je note que dans votre euh, projet, nous savions, euh, en tout cas, que la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est classée parmi les dix pays les plus formateurs au monde. Alors, il m'est arrivé de lire dans votre projet, vous dites, moi, euh, KKB, je veux ramener ce pays parmi les cinq, pa pays, parmi les cinq pays. premiers. Alors, par quel mécanisme et comment vous allez le faire Écoutez, je vous ai indiqué tout à l'heure le troisième axe de mon plan stratégique pour booster l'économie ivoirienne. Parce que j'ambitionne de recréer à nouveau le nouveau miracle économique ivoirien. Je vous ai indiqué également comment, par la défiscalisation, je vais y parvenir. Je dis, je fais en sorte de moraliser la vie publique, faire en sorte que justement, les pots de vin que euh, l'on avait l'habitude d'instaurer puissent donc disparaître. Je vais faire en sorte que la Côte d'Ivoire, parce que justement, j'ai créé un environnement qui attire dans ces capitaux, qui met les gens en confiance, au lieu que nous soyons classés parmi les dixièmes, est-ce que ce n'est pas mieux d'améliorer notre position en étant parmi les cinq premiers, et peut-être même les deux premiers, pourquoi pas ben, renégocier surtout efficacement notre rang de leadership, au moins dans la sous-région. Et ça, c'est encore possible. dit au plan agricole, mmh. oh oui. comment contrôler les, les pots de vin Parce qu'ils se donnent à l'insu de tout le monde. Vous savez, quand je parle de défiscalisation, de détaxe, je veux faire en sorte qu'il y ait moins de taxes en Côte d'Ivoire. Moins de taxes, contrairement à ce qu'on peut nous indiquer. C'est plutôt beaucoup de recettes pour l'État de Côte d'Ivoire. Et si vous faites en sorte que le citoyen euh, paye, je veux dire, des taxes à moindre coût, plutôt que de choisir de corrompre le fonctionnaire de l'État, ce qui lui reviendrait deux fois ou trois fois plus cher, je pense qu'il paiera directement ses impôts ou ses taxes à l'État directement. Ça permet justement de combattre la corruption à la source. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous les citoyens commencent à avoir ce réflexe de ne pas chercher à corrompre eh bien, le fonctionnaire de l'État, parce que justement, j'ai revu à la baisse le, la TVA, la fiscalité, eh bien vous voyez que non seulement, eh bien, on engrange des recettes pour l'État, mais aussi on combat efficacement la corruption. L'État s'emportera mieux, et les Ivoiriens avec. Du ah, moi aussi. Oui. Justement sur, sur ce chapitre de la moralisation de la vie publique, vous prévoyez euh, d'être euh, très dur en matière de sanctions et même installer des caméras pour surveiller ce genre de choses. Comment, euh, comment vous estimez euh, ce programme Comment vous allez le financer ce programme J'ai été clair avec vous. Par, par la transformation de la Tchéquie seulement, je promets de donner à la Côte d'Ivoire 20 000 milliards par an. Et pour l'instant j'ai fait l'essai de transformer sept produits. L'ananas, la mangue, la tchèque, le soja, l'huile le, de coco, et ainsi de suite. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire peut se payer le luxe, luxe de transformer mille autres produits comme ça dans ce pays. Comment vous pouvez vous imaginer que des petits pays d'Asie qui n'ont rien chez eux transforment tout, pendant que la Côte d'Ivoire qui a tout ne transforme rien. Pour redonner la dignité au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux chemins. C'est le chemin. À partir de l'argent que je vais donc obtenir, que l'État obtiendra dans ces conditions de l'industrialisation, je peux me permettre de financer n'importe quel projet en Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, je ne peux pas compter sur euh, eh l'épargne nationale. Elle n'existe pas. Puisque nos pays africains, eh bien nous avons deux classes dans nos pays africains la classe très pauvre. Qui n'a pas d'épargne, parce que touchant à peine 500 000 francs comme revenu, elle ne peut pas épargner. Et vous avez notre classe hyper riche qui, malheureusement, a pris l'habitude eh de sécuriser ses capitaux eh bien, à l'étranger. On ne peut pas compter donc sur l'épargne nationale pour booster, pour construire notre économie. Il n'y a pas de choix. Le seul qui nous reste, c'est de dire aux Ivoiriens dans la vérité, comptons sur nos forces. Nos forces existent. Allons-y résolument dans la transformation de nos produits. En les transformant, nous multiplions ces produits-là, leur valeur par 50, voire même par 100. Voyez-vous, je suis venu là avec une tablette de chocolat. Ben, cette tablette coûte, m'a-t-on dit, 2700 francs. Pendant que le kilo de café coûte à peine 500 francs. Et ben, ceux qui vous fabriquent ce chocolat, ben, c'est le cacao, ceux qui vous fabriquent ce chocolat, ils sont... 15, 5, 50, 20, 100 fois plus riches que la Côte d'Ivoire elle-même qui produit. Et si demain, parce qu'on a cru à ce que je propose, nous nous mettions à transformer nous-mêmes sur place pour être le maître des prix de nos matières Que devenons-nous Prenez l'exemple de la Malaisie. Nous étions tout petits. Quand les Malaisiens venaient chercher ici en Côte d'Ivoire à copier sur le modèle, n'est-ce pas, de palmier à huile, où sont-ils aujourd'hui Parce qu'eux ont compris très tôt qu'il faut transformer ce qu'on produit sur place. Je dis, je sortirai mon pays de cette logique implacable d'exportation de, systématique de nos matières premières. Ce n'est pas une fatalité. Si nous voulons, eh bien nous le pourrons. De sorte que, eh bien, quand la Côte d'Ivoire sera à nouveau un bon marché, tous les citoyens du monde viendront ici faire leur shopping comme ils le font aujourd'hui à Dubaï et à Singapour. Comme ça des amis de la Côte d'Ivoire, qui ne voudront pas être les derniers à venir sur le marché, viendront nous offrir des ponts gratuitement, qu'on pourra baptiser des ponts de l'amitié ivoiro-japonaise, des ponts de l'amitié ivoiro, enfin, franco ivoirien Non pas pour nous faire payer des ponts en pleine capitale économique. Je n'ai jamais vu ça. Moi qui ai voyagé ces derniers temps dans tout le monde entier. Alors, Je n'ai pas vu de pont dans une capitale eh bien qui soit payant. Nous aurons le temps de revenir euh, chez les infrastructures. Si vous voudrais revoir le point de vue. Déjà, on l'a compris, hein, tout à fait. Alors nous étions le, sur le volet agricole. C'est vrai que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, je vous dis, hein, que vous êtes planteur, donc je suis très à l'aise ce que j'ai pu découvrir. Et justement, euh, en matière de politique agricole, vous avez dit tout à l'heure que vous allez tout mettre en œuvre au, au niveau de la diversification pour que la Côte d'Ivoire gorge de beaucoup d'argent. Alors ça nous amène à, à vous poser euh, cette question. La politique agricole aujourd'hui de votre pays euh, ne vous satisfait pas et vous, vous avez une vision très précise en dehors du fait que ces produits puissent vous amener de l'argent, c'est vrai. Quelle est la vision, votre vision exacte en tant que planteur C'est important. Je suis baoulé et tout bon baoulé naît, le verbe naître, naît planteur avant de devenir autre chose. J'ai été obligé d'assumer les fonctions de planteur à l'âge de 14 ans, quand, en tant que premier fils de six enfants, je perds mon père au moment où j'étais au collège. Eh bien, ixo facto, je deviens donc planteur. Je suis fier de l'être parce que j'adore le travail de la terre. Ils sont des milliers comme ça de jeunes Ivoiriens qui, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur à la capitale, ont pris le chemin eh bien, de la campagne. Je leur dis encore une fois, et avec force, de ne jamais se sentir complexé, de retourner à la Terre. La Terre nourrit son homme. Justement, quand je serai président, une des mesures que je prendrai, c'est de revaloriser eh bien, tous les petits métiers, de sorte que chaque Ivoirien cultive le sentiment de fierté nationale à faire ce qu'il fait et avec amour. Chacun de nous a une vocation pour quelque chose. Il suffit de le savoir. On peut réussir sa vie, gagner sa vie dans les petits secteurs d'activité si on les exerce avec amour. Toutes les femmes au monde, dans les foyers, savent que rien n'est possible à un foyer sans amour. Il faut aimer ce que vous faites. Jusque-là, la Côte d'Ivoire, eh bien, c'est tant bien que mal débrouillé, excusez-moi l'expression, avec le binôme café-cacao. J'observe que quand le monde paysan, se porte bien. Quand le monde paysan est capable de se prendre en charge, la Côte d'Ivoire se porte mieux. C'est pourquoi je m'engage en tant que planteur. Regardez-vous ce que j'observe. À une semaine de l'ouverture de la campagne, M. Ouattara se souvient subitement qu'il peut payer le cacao à 1000 francs. Comme pour dire à nos parents, eh bien votez-moi. Ce n'est pas de ça que rêvent les planteurs de Côte d'Ivoire. Je ferai en sorte que le cacao retrouve un prix acceptable sur le marché. Et je suis convaincu qu'on peut l'acheter encore à 1 500 francs. Je suis convaincu que l'EVA, qui jusque-là était acheté à 1 200 francs, subitement, eh bien, son prix chute jusqu'à 200 francs. C'est anormal. Je dis, eh bien, aux Ivoiriens de ce secteur, du secteur de l'EVA, que, quand je leur parle, ils m'écoutent, parce qu'il y en a qui me connaissent. Eh bien, ce milieu-là est le mien. Je ferai en sorte de redonner de la vie au milieu, eh bien, au milieu du secteur de l'EVA, en payant également, en fixant un prix de 1200 francs comme il était avant que eh Ouattara ne revienne au pouvoir. Mm -hmm. Après, par la suite, parce que je mettrai en place des mécanismes de concertation avec les partenaires sociaux pour agir sur le prix des denrées sur le marché ensemble. Nous étudierons la mise en œuvre de telle ou telle politique qui permette à l'Ivoirien justement de se sentir mieux et de respirer sur son sol. Euh, oui, oui, se sentir mieux, parce que quand même, pour un, un bon planteur, c'est celui quand même qui obtient des financements. Or aujourd'hui, avec l'absence de titres fonciers clairs, est-ce que ça, ça ne mine pas déjà le secteur agricole J'ai prévu justement de m'attaquer malheureusement efficacement à la question foncière. Et je dis un Ivoirien, un titre foncier. C'est une situation qui ne peut pas continuer, que nous devons régler définitivement, parce qu'il me semble que c'est aussi une des raisons de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et sur cette question, vous prévoyez justement un programme d'audience foraine eh, qui permettra de mieux faire connaître la loi votée, vous l'avez dit, dans votre projet de société il y a 17 ans. Alors, de quelle loi s'agit-il Puisque récemment, il y a une loi qui a été votée sur la question euh, foncière en 2013. Jamais dans l'histoire des lois en Côte d'Ivoire. Une loi n'a fait aussi l'objet de consensus comme celle-là, celle qui a été votée en 1998 sous Henri Conan Bédier. Je me souviens que tous les acteurs politiques euh, étaient ensemble auprès de tous les parents pour les sensibiliser, leur expliquer le bien fondé de la loi. Elle a fait l'objet d'un consensus avant d'être votée. Maintenant, il faut qu'on l'applique. Mais les audiences foraines que je vais organiser, il n'y a pas que ça. Ça vise à faire le tas des lieux. Parce que. Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens se demandent pourquoi autant d'atrocités, particulièrement au, à l'ouest de la Côte d'Ivoire Mais posons-nous la question, parce qu'il y avait quelque chose. Les Ivoiriens se retrouvent en exil au-delà de la frontière, pendant que d'autres citoyens du monde, que nous avons acceptés librement, eh bien, occupent eux-mêmes les terres. Et chaque fois qu'ils doivent eh bien, se rencontrer, c'est le conflit, c'est l'achoppement, c'est l'attaque. Il faut il aborder que... ces questions mmh. avec. avec je vous dis avec sérieux, avec justice, droit tu pour rendre la justice eh bien, aux ivoiriens. Je pense que le problème foncier n'est euh, pas nouveau, hein, parce qu'il est ancien. Maintenant, on a tous les yeux tournés vers l'Ouest. Euh, on est heureux de savoir que vous pourriez avoir des solutions qui mettre aux ivoiriens de sortir. vous l'avez consigné. Un ivoirien, un titre euh, foncier. Un titre foncier. Alors, euh, nous allons poursuivre justement, Franck. Et demandez justement quelle est votre approche précise au-delà de cette euh, démarche en Ivoirien titre foncier, euh, on sait que le problème était assez euh, cuisant au niveau, dans plusieurs parties de la Côte d'Ivoire en tout cas. Est-ce que vous trouvez normal qu'une mine d'or, un gisement comme le Mont Péco, soit occupée par des gens venus de Genesis où pendant 5 ans et que l'État de la Côte d'Ivoire ne soit pas capable eh bien, de nous libérer ce Mont Péco est-ce que c'est ça le vivre ensemble dans la sous-région Vous trouvez normal Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les Ivoiriens s'en plaignent. Ils nous le font savoir à longueur de journée. Est-ce qu'on se met à leur écoute Est-ce qu'on gouverne pour eux Est-ce que c'est pour eux que nous sommes là Est-ce qu'ils peuvent trouver réparation de leur tort à nos côtés, auprès de nous est-ce qu'ils peuvent trouver sécurité auprès de nous Est-ce qu'ils peuvent se convaincre que nous gouvernons pour eux aussi Pour qu'ils ne soient pas dépossédés sans avoir de recours sur leur propre sol. Est-ce qu'on peut, par une politique généreuse mais un génie, remettre la confiance en toutes ces populations et faire en sorte que la Côte d'Ivoire, en restant toujours terre d'accueil, terre d'hospitalité, eh soit maître de sa souveraineté alors, nous allons poursuivre et euh, nous allons maintenant aborder une question qui vous tient également à cœur en matière de politique euh, régionale. Que comptez-vous offrir aux Ivoiriens Parce que, de manière très dure, vous avez dénoncé dans votre document qu'il va falloir revoir la copie et trouver les solutions. Alors, quelles sont les solutions de M. Kouadjoukou Naberta dans, dans quel domaine vous avez dit Régional, politique régionale. Alors, ça me rappelle une chose que j'ai failli oublier. Parlant de la réconciliation, j'ai décidé, si les Ivoiriens me font confiance, de transformer la fête nationale en une fête de la réconciliation. À tour de rôle, chaque région de la Côte d'Ivoire va l'abriter comme par le passé. Et nous allons lui donner un contenu inciter les populations de ces régions qu'on va visiter à poser des actes allant dans le sens du pardon et de la réconciliation. Je dis que je combattrai les disparités régionales. Il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan et Abidjan seul. Il faut décentraliser et c'est pourquoi je vous ai dit que je vais créer six zones, six zones industrielles, des pôles, faire en sorte que en fonction des spécificités des régions, parce qu'une zone peut abriter deux, trois, quatre régions. Par rapport aux richesses de l'endroit, comment on monte des usines adaptées à ces richesses, pour que ces régions soient elles-mêmes autonomes dans la conduite de leurs affaires, en mettant en place des, des conseils d'administration mixtes, en veillant à ce que là-dedans, eh il règne le respect du bien public. Le respect du bien public. La culture de la transparence, la culture du respect de ce qui ne vous appartient pas. Comment vous pouvez accepter en Côte d'Ivoire que nous continuions de vivre cette situation dramatique qui veut que dès lors que vous êtes nommé directeur général d'une société, alors même que vous n'avez même pas continué de poser d'actes qui impactent votre secteur, vous êtes propriétaire de milliards, titulaire de milliards sur des comptes à l'étranger. Et ça ne préoccupe personne. Et en Côte d'Ivoire, c'est cette culture. C'est cette culture. Il faut que, justement, on apprenne à punir. Voyez-vous Vous revenez sur le, la notion de punition. Je vois que vous tenez à ça. Vous étiez en train de développer. Hein, oui. Nous écoutons avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs, la création des six agences de oui. développement c cas, son son oui. fonctionnement. Mais ça je comprends que chaque fois que vous avez l'occasion, vous y allez. Hein. Oui, parce que Alors, je, je ne peux pas comprendre. Oui. Je ne peux pas comprendre ou je m'explique difficilement mm. euh, ce fait-là que nous fréquentions les mêmes établissements les mêmes universités, que des, Ivoiriens que des, que des citoyens d'ailleurs, et qu'à la pratique, nous soyons abricolés avec nos pays comme nous le faisons. J'ai vécu une situation que je ne peux pas oublier. À l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, alors que je revenais à Abidjan, dans la tête de l'embarquement, j'ai observé un Ivoirien dans une attitude digne. Qui, après avoir consommé, eh bien, je crois, quelques fruits, eh bien, a pris les ordures pour les déposer, les déchets pour les déposer dans la poubelle, tranquillement. J'étais heureux et fier du comportement de cet ivoirien. Il se trouve que dans l'avion, il est mon voisin. Nous atterrissons à Abidjan, à l'aéroport au de boigny Quand nous sortons de l'aéroport, au moment de nous dire au revoir, le dernier sachet qu'il avait, il le jette dans la rue. Je dis, cher frère, comme c'était beau de te voir faire ce que tu as fait en France, pourquoi en France, tu es un autre homme et en Côte d'Ivoire, tu es nos citoyens En France, tu sais où on jette les ordures. Et en Côte d'Ivoire, tu penses que ce qui est bon pour nous, c'est de la rue. Vous voyez bien la différence C'est parce que justement, nous n'avons pas pris le soin de, de punir pour convaincre les Ivoiriens de la rigueur dans le civisme et la rigueur morale. La rigueur morale. Une des choses dont souffre la Côte d'Ivoire, croyez-moi, c'est le désordre. Or, dans le désordre, on ne peut rien construire. Ces nombreux embouteillages que nous vivons à travers la ville d'Abidjan, très souvent, sont le fait de l'intolérance, de l'insoumission. Parce qu'on ne, ne respecte plus nos policiers. À partir du moment où on considère que c'est notre tour et qu'on a vaincu les forces de l'ordre, on leur impose tout. On ne les respecte plus. Nos policiers, aujourd'hui, Servent de décor, ils ne sont même pas armés. Comment voulez-vous que ces agents des forces de, force de l'ordre soient en situation psychologique pour veiller sur nos maisons pendant qu'eux-mêmes sont chassés de leur maison Eh bien, je vous démontrerai dans la dernière partie de ce que je propose comme plan stratégique pour reconstruire ou construire une économie durable et efficace comment je vais redonner de l'espoir. Eh bien, au milieu, de, au monde, Justement, la sécurité, c'est-à-dire les militaires, les policiers, les gendarmes, les eaux et forêts, les douaniers et que sais-je encore. Parce qu'il faut les saluer pour ce qu'ils font dans les conditions qui sont les leurs, dans une Côte d'Ivoire complètement défigurée, qui a besoin de rassurer eh bien, tous ceux qui vivent chez nous sur leur sécurité, leur vie et sur la sécurité de leurs biens. Alors, Olivier Connard. poursuivre justement l'ordre de, ce, de ce, cet échange. Nous allons revenir sur le volet euh, développement local. Vous pour les six pôles de développement économique que vous comptez mettre en place, euh, ce n'est pas déjà le déjà absolu en matière de développement local, puisque les conseils régionaux euh, prennent en charge la politique de développement de l'État au plan euh, décentralisé. Comment ces six pôles vont fonctionner avec les conseils régionaux Ou bien vous allez les supprimer Les conseils régionaux disparaissent. Est-ce que vous avez vu un seul conseil régional qui nous a. Fait inaugurer une usine de bananes ou de palmiers à huile. Euh, il y a des écoles qui ont été inaugurées. Très bien. Hein. Mais mais ça ne suffit pas l'école. Quand vous avez formé nos enfants, ils servent à quoi par la suite S'il n'y a pas de débouché. Pendant que vous les formez, ce qui est une bonne chose, il faut justement, dans toujours la logique de prévenir, prévoir leur point de chute. Et c'est pour cela que je dis, dans ma vision nouvelle que je propose à la Côte d'Ivoire, faire en sorte que ces jeunes gens, en sortant des écoles, des universités, parce que l'anti-diplôme de eh est des point de chute par les usines qu'on va créer. Eh bien, au nord, il y a la narcade. Au nord, il y a la mangue. Au nord, il y a le soja. Au nord, il y a tout ce que vous savez. Pourquoi ne pas créer au nord de la Côte d'Ivoire eh ce pôle industriel avec des moyens conséquents Et je vous ai dit le budget que je vais allouer pour que justement nous favorisions, incitons les Ivoiriens de cette partie de la Côte d'Ivoire à donner de la valeur aux mangues avec lesquelles ils jouent tous les jours. Pourtant, ils sont loin de savoir que leur bonheur se trouve dans ces mangues. Ailleurs, ça se fait. Il n'y a qu'à leur dire, leur montrer le chemin et créer les conditions pour que ce soit possible. Alors, dans, juste ces que moyens, soit possible. dans ces moyens que vous allez allouer, est-ce que la mécanisation de l'agriculture est prévue Bien entendu, je vous ai dit que malheureusement, qu on ne peut manquer pas donner tout le détail. Oui. Oui. Moi, que... j'ai connu mon père avec les machettes. Moi aussi, j'ai travaillé avec les machettes. Si je ne peux pas proposer autre chose à, à nos jeunes générations, alors à ce moment-là, nous n'aurions rien apporté. Et bien de plus, car n'oubliez pas que chez nous, on dit chaque génération doit avoir le souci de léguer aux plus jeunes plus qu'elle n'a obtenu des anciens. Il est clair que nous ne sommes pas heureux et fiers que notre agriculture et bien, continue dans ce sens, de voir nos enfants et nos petits-enfants demain continuer encore avec le tabac. Et les machettes. Alors, l'un des volets euh, sur lesquels vous insistez également, c'est le volet social. Nous allons essayer d'échanger avec vous sur la question. Alors, en matière de politique euh, sociale, vous envisagez d'investir 1 000 milliards, je dis 1 000 milliards, dont 500, millions, 500 mi milliards seront consacrés à la couverture maladie pour tous. Oui. Que recouvre cette appellation et quelle est l'originalité de cette couverture? Vous savez, personne sur Terre ne peut entreprendre s'il n'est pas en bonne santé. C'est des choses que le monde entier a enviées à notre pays avant, avant la mort du Père Fondateur. Il me semble que c'est. Dans nos hôpitaux, le CHU, qui faisaient notre fierté et même les, les établissements privés que nos voisins tous nous venions ici pour nous soigner. Aujourd'hui, devant la misère et la paupérisation, eh bien ces hôpitaux sont vides et n'ont plus de contenu et nos, nos populations n'arrivent plus à se soigner convenablement. L'Ivoirien est à, encore à ce stade à se demander, mais de quoi demain sera fait alors même que mes enfants sont malades Comment je m'y prends pour les soigner Je suis enceinte, je suis à une semaine de l'accouchement, j'ai peur parce qu'en voulant donner la vie, je crains pour ma vie. Et pourtant, il y a 20 ans, nous étions bien loin. Et il faut justement faire en sorte que les soins soient gratuits, qu'ils soient supportables, surtout par une population. Qui a été suffisamment, suffisamment appauvri et qui croit, qui proie plutôt sous le poids des effets de la guerre et de la misère. C'est pourquoi je dis, je créerai ces conditions spéciales pour permettre aux ivoiriens d'avoir un accès facile aux soins et gratuitement. Je ne veux pas, mais quand on est à servir aux ivoiriens, des slogans qu'il qui n'ont pas de contenu. Je sais que tous les régimes qui se succèdent, eh bien, nous font croire que les hôpitaux, les soins sont gratuits. Vous y allez toujours. Comme moi, parce que nous autres n'avons pas le choix d'aller ailleurs que d'aller dans les CHU qui sont vides, les médecins sont démoralisés, et bien la Côte d'Ivoire se cherche dans ce domaine précis. C'est pourquoi ces mesures que j'indique vont viser justement à agir concrètement sur la qualité des soins et rassurer les populations qu'elles peuvent encore retrouver la vie dans nos hôpitaux. Il faut d'ailleurs les accroître, il faut les accroître parce que notre population s'accroît et il faut faire en sorte de rapprocher également là les hôpitaux équipés et eh bien des populations. Oui, parce qu'il est arriver souvent, parce qu'on est dans ce peuple de vivre, de vivre des situations dramatiques, de tenir des malades dans les mains, à des distances très éloignées, du seul centre où on peut lui donner eh bien, de l'espoir et avant d'arriver sur les lieux. Eh bien, ce dernier. Et eh bien, décède. Quand j'étais tout petit, que je découvrais l'autoroute du Nord, mais qu'est-ce que c'était fabuleux! J'ai remarqué qu'à chaque kilomètre, le président Oufouette avait prévu le téléphone. Certainement, c'était pour prévenir les accidents. En cas d'accident, vous pouvez téléphoner tout de suite les sapeurs-pompiers pour que dans le meilleur délai, ils viennent à votre secours. Mais les mêmes Ivoiriens là, on ont là. enlevé ce même téléphone parce que j'imagine que c'est l'aluminium qui se retrouve en train de faire la marmite pour qu'on mange. C'est bien, c'est beau tout ça. Mais il faut que chaque chose serve à quelque chose. Vous voyez Donc c'est dans nos mentalités qu'il faut le chercher. Il faut sensibiliser les Ivoiriens pour que nous ne soyons pas nous-mêmes mentalement contre le développement. Contre le développement. À Abidjan, il y avait également beaucoup de téléphones, des cabines téléphoniques. Tout ça a disparu. Pour servir à quoi Il faut préparer nos mentalités à accueillir le développement, à l'accepter et à l'accompagner. J'ai vu les deux côtés du tronçon du boulevard Valérie jusqu'à Destin. Le gouvernement Bédier s'était forcé de planter là des arbres. Mais vous trouverez tous nos taxis d'Abidjan. La voie est ouverte, mais ils ont toujours eh bien, cogné un de ces arbres pour qu'il ne pousse pas. Allez-y en Allemagne, allez-y en France, allez-y en Belgique, que c'est beau tout ça. Mais il faut justement éduquer. L'ivoirien. Et c'est tout ça que j'appelle l'ivoirien nouveau. Et aucun de ces arbres n'a survécu. Comme on a le soleil en abondance, nous y sommes. Alors, et pourtant, donc, on a, on a dépensé un... beaucoup de milliards à planter ces arbres. Oui, et nous oui. sommes toujours dans un perpétuel recommencement, à investir, réinvestir dans la même chose pour gaspiller de l'argent. Monsieur Kouadio-Konambertin, l'assurance santé universelle, l'argent, on le sait, ça va très vite. Vous avez mis 500 milliards. Mais qu'est-ce qu qui est prévu pour la pérennisation de cette initiative? Écoutez, quand je vous indique que par la création, pour le, par l'industrialisation de la tique, j'apporterai 2 milliards par an que je vais accorder à nos forces de l'ordre, je me propose de créer une banque, la banque des militaires. La banque des militaires. Les militaires, dans mon esprit, c'est les gendarmes, c'est les policiers, c'est toutes les forces de l'ordre. Et cette banque-là sera gérée par des professionnels. De sorte que, premièrement, 1 000 milliards soient alloués au salaire des, 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 des militaires. Ils verront leur, leur salaire multiplié par 5. Multiplié par 5. Et 1 000 autres milliards vont être consacrés à créer justement des conditions de l'épanouissement, c'est-à-dire le logement, leur santé, on va construire des hôpitaux pour les médecins, comme ça se fait partout ailleurs dans le monde, avec le personnel médical des les plus qualifiés. Nos militaires ne vont plus avoir de soucis pour se soigner, tout comme on va construire leur logement. Mais ce logement, plutôt que de continuer à les regarder impuissants, eux-mêmes chercher à préfinancer, eh bien, leur logement, la banque que je, je crée pour eux, et cette banque-là, va préfinancer donc ce logement. Et chaque militaire... Chaque policier, chaque gendarme s'adressera à sa banque, la Banque nationale pour, la, pour les militaires. Je peux donner tous les noms que vous voulez. Et c'est cette banque-là qui va veiller à créer les modalités pour permettre à ces policiers, à ces gendarmes et à ces militaires d'être propriétaires d'une maison pendant qu'ils sont en service et pour leur retraite. Et comme ces 1000 milliards permettront également de donner de l'argent par. par, par la, par la transformation de la Tchéquée à l'éducation. Puisque la Tchéquée, je vous ai dit qu'elle va donner à la Côte d'Ivoire 20 000 milliards. Je vous dis que les manques donneront aussi 20 000 milliards sur, par, an. par an. Sur la production de 20 000 milliards par an par les manques, je vais prendre simplement, parce que l'État prélève, prélève seulement 10 10 je prends seulement 2 000 milliards que je consacre à l'école ivoirienne. À partir de ces 2 000 milliards, je vais rehausser le salaire des enseignants leur donner également le goût du travail. Avec ces 2 000 milliards, je vais investir dans la construction d'universités de pointe, en équipant celles qui existent, donner des bibliothèques à ces, toutes ces universités pour occuper nos enfants. S'ils sont convaincus qu'en allant à l'université, ils trouvent sur place des bouquins, ils ne vont pas faire autre chose. Mais en même temps, il faut que je convainc les Ivoiriens de ce que plus jamais en Côte d'Ivoire, un concours ne sera payant pour devenir gendarme. Vous ne pouvez pas vous endetter pour, à hauteur de 3 millions, 4 millions pour être admis à ce concours. Mais quand vous avez payé 4 millions pour devenir gendarme, un V, demandez-moi avec le salaire que vous avez aujourd'hui, vous travaillez combien de temps pour payer cette dette Je vais vous dire une des raisons pour lesquelles j'ai marché en 2010 sur la RTI que j'ai marché encore il n'y a pas deux semaines sur la RTI, parce que j'estime que la RTI peut être un instrument de cohésion sociale un instrument qui redonne confiance aux Ivoiriens. Qui les remettent ensemble et qui peuvent être au service du développement. À supposer un seul instant que une fois président de la Côte d'Ivoire, je choisis de faire en sorte que les concours de l'agent Amérique, les concours d'entrée à l'ENA, à l'ENS, du moins tous les concours, on dépouille publiquement à la télévision ivoirienne. C'est un système hein, que vous voulez mettre en place. Oui, hein, pour... Un système, on dépouille publiquement. Les Ivoiriens savent publiquement qui a eu quelle note et qui est admis. Il n'y aura pas de quota de la présidence de la République. Une fois que j'ai convaincu les jeunes de ce qu'ils peuvent compter sur leur propre force pour être admis à un concours, croyez-moi, ils vont aller en bibliothèque pour bosser et ne plus choisir le chemin d'aller chercher à corrompre pour avoir un concours. Mais quand ils vont en bibliothèque, il faut qu'ils trouvent eh bien, des bouquins, ce qu'ils veulent sur place. Donc les 2 000 milliards vont aider à donner des bourses au grand nombre d'élèves de Côte d'Ivoire, y compris les enfants des militaires. En ce moment-là, ils n'auront pas de soucis et comme ils savent, qui doivent tout désormais à la Côte d'Ivoire, à la patrie, eh bien ils la défendront coréen. Monsieur le Président, votre politique pour développer euh, la Côte d'Ivoire, votre politique d'investissement est basée sur trois piliers, avec euh, l'un qui est la euh, défiscalisation. Vous prévoyez 20 000 milliards pour l'Atiqué. Alors cette la TIKE qui sera industrialisée, l'industrie suppose un investissement. Cet argent, vous l'avez déjà à profusion, ou bien... Euh, c'est des emprunts, vous voulez limiter aussi vos emprunts. Maintenant, la deuxième chose, les 20 milliards, c'est la consommation locale ou c'est la consommation dans le monde entier Vous avez déjà exploré les zones de consommation Bien sûr. J'ai été à Paris et j'ai été offusqué. De me rendre compte qu'à Paris, c'est des Chinois qui ont des magasins de Chique et qui le vendent, qui ont fait une activité prospère et ils vivent de ça en France. Et je vois des Ivoiriens, des Adjoukrou. Puisqu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'Atiquet, on pense tout de suite à Diokroou. N'oubliez pas que quand on était plus petit, il y avait ce refrain qui voulait que la Djokrou mange la sans boire de l'eau. C'est une petite parenthèse, un coucou à mes parents de, de Dabou. Et c'est la qui viennent acheter de la Tchéquée en France dans les magasins tenus par des Chinois. Regardez la population chinoise, dans sa taille que nous connaissons. Si nous réussissons à percer ce marché chinois et faire en sorte qu'une seule boute d'atcheke qui ne coûte que 300 francs CFA, nous le vendons aux Chinois, qui prennent l'habitude de consommer l'atcheke une fois, ne serait-ce que par an. Imaginez ce que ça nous rapporte. S'ils consomment l'atcheke, parce que ça rentre dans leur mœurs, une fois par mois, imaginez ce que ça nous rapporte. S'ils si le consomment une fois par semaine, ça, ça, ça engendre beaucoup de sous, mais que l'Ivoirien ignore. Parce qu'on se contente pour l'instant hein, de bien faire du café, et du cacao. Mais la vous la compris la transformation de, de la TK. Comment vous financez cette usine là? Mais je vous ai dit le chemin. On ne peut pas compter sur l'épargne puisqu'on finance eh le développement par l'épargne. Parce nationale. que si votre politique de défiscalisation ne marche pas, la machine sera grippée. Elle ne peut pas ne pas Parce marcher. Elle ne peut pas ne pas marcher. C'est la clé de voûte de votre programme. Elle ne peut pas ne pas Parce marcher, que... c'est la clé de voûte. Parce que justement, il se trouve heureusement dans le monde beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup d'investisseurs qui veulent placer leurs capitaux. Mais les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais bien sûr, et créons, quand je vous parle de, de paradis fiscal, c'est bien un intérêt. Je démontre à ces, à, à, à ces hommes qu'ils peuvent venir prospérer, faire de, se faire de l'argent en Côte d'Ivoire, bien sûr. Eh bien chaque partie tire profit, les déclarer tirent profit et tire ah profit. Bien. Alors, pas allons, euh, je pense que le C'est pas l'emprunt. Monsieur Quadio, euh, vous avez été suffisamment clair, on a compris votre mode oui, de pour l'assurance santé universelle, j'aurais quand même parce que euh, vous nous dites que bon, vous allez compter un peu sur la la et tout ce qui est produits agricoles. Mais alors pourquoi prélever sur les produits agricoles Vous le dites. Il y aura des taxes même sur la téléphonie mobile pour pouvoir soutenir l'assurance maladie. Oui, parce que vous voyez, quand j'étais à l'origine de ces choses-là. Donc ce n'est pas gratuit. Non, ah non c'est gratuit pour les consommateurs. L'État paye à leur place. Et non, rien n'est gratuit. L'État oui, donne. Sur la téléphonie mobile. Mais bien sûr, Tout le monde a parce déjà que j'imagine que nos frères qui sont dans ce secteur se font beaucoup d'argent. Ils peuvent consentir à être se rendre utiles à leurs concitoyens sans rien perdre, en réalité. Parce que sur les taxes que nous percevons, nous négocions, nous parlons avec les uns et les autres pour convenir de ce qui peut être fait sans leur causer des dommages et des torts. Pendant qu'ils maintiennent, eh bien, euh, je veux dire, euh, 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 leurs acquis, comment justement, à partir de possibilités qu'ils peuvent offrir, et eh bien, aider le peuple à mieux se soigner. Mais pour que les Ivoiriens puissent téléphoner, il faut bien qu'ils vivent, il faut bien qu'ils soient en bonne santé. Tout est lié. Je me souviens, à l'origine. Ivoiriens. Rien que bipé, bipé simplement, sans téléphoner, on paye 500 francs. Très bien. Alors, vous allez vous permettre de. Vous pouvez euh... vous imaginer oui. les fortunes qu'ils ont dû engranger dans ce pays. Je pense qu'ils peuvent consentir à aider les Ivoiriens à se soigner gratuitement. Euh, Monsieur Kadiou, nous allons revenir un peu sur, euh, au niveau justement de la promotion de la femme. Vous avez précisé dans un document que cela vous tient à cœur. Est-ce que de manière très concrète, vous pouviez nous dire de quoi il s'agira et comment suffira cette promotion D'abord, en la matière, je ne referai pas le monde. Pardon. Beaucoup avant nous nous okay. ont dit peut-être les mêmes choses. Okay. Mais ce que je veux dire, depuis nos valeurs africaines, voyez-vous, quand vous allez trouver un chef, un vrai chef ivoirien, à qui vous posez un problème, il vous répond tout de suite en vous disant que la nuit porte conseil. Un vrai chef en Côte d'Ivoire, avant même qu'on ait connu la culture occidentale, ne donne jamais une position immédiatement. Mais quand il vous dit que la nuit porte conseil, de quoi s'agit-il Vous croyez que la nuit noire comme ça peut porter conseil C'est parce que ce chef-là, eh bien, quand il va se coucher, il a bien quelqu'un dans son lit. À qui il va soumettre ce que vous avez posé comme problème c'est son épouse pour vous dire que déjà dans nos sociétés les femmes occupaient déjà ou occupent une place de choix c'est elle qui donne la vie elle mérite un regard particulier beaucoup de nos traditions n'ont pas favorisé leur contact des femmes avec l'école il faut faire en sorte que toutes nos filles nos enfants aille à l'école, je vais m'y employer pour que nous puissions combattre l'analphabétisme, faire en sorte que ces femmes, parce qu'elles sont devenues intellectuelles, parce qu'elles sont légales de l'homme désormais, elles aussi puissent avoir des places de choix dans tous les milieux qui décident. La femme, elle a cette spécificité parce qu'elle donne la vie, et bien justement, de pouvoir en prendre soin. Et si, et d'ailleurs, je vous fais remarquer, que mes nombreux voyages dans le monde m'ont fait découvrir que les grands pays qui, qui marchent, qui fonctionnent, sont les pays où les femmes ont des pouvoirs. J'étais en Angleterre, je sais ce que c'est. J'étais aux États-Unis, je sais ce que c'est. J'ai été en France, un peu partout en Europe, je sais ce que c'est. Ça vous inspire Vous avez envie ah, bien de faire la même chose Mais Bien sûr Très, très bien. Il faut, et c'est pour ça que je vais combattre <laughs> systématiquement toutes les formes de violence faites aux femmes. J'observe, malheureusement que dans nos sociétés aujourd'hui, elles sont combien qui peuvent regarder tous les Ivoiriens en face pour dire, on m'a donné ce poste sans me demander quelque chose en retour, du moins sans me demander mon corps. Eh bien, tout ça doit prendre fin. C'est pourquoi j'ai décidé d'augmenter la location familiale qui jusque-là était à 2500 francs, eh bien je décide de faire passer le montant de d'allocation familiale à 5 000 francs. Mais entendons-nous bien, mes chères sœurs. Je ne vous donne pas cet argent pour vous inciter à faire beaucoup d'enfants. Je vous donne cet argent pour alléger vos tâches. La guerre a fabriqué beaucoup de veuves dans ce pays. Les difficultés sont énormes. C'est une mesure que je prends pour redonner à la femme sa dignité. Et ce montant-là sera versé immédiatement ou directement aux femmes pour qu'elles Alors... en soient les seules et eh bien décident de ce qu'elles veulent en faire. Alors, nous oui, allons oui, aborder oui, oui, quand même. Euh, oui, euh, Fadiga, oui, oui. Oui, juste pour ça, je dis à entendre M. Kouadio Konambertin, les femmes doivent être en train de sourire, il y a beaucoup de choses. Mais là, vous l'avez dit, c'est dans le noir que la, la femme donne ses euh, ses, les bons conseils. Mais dans la journée, on se rend compte que la femme, elle ne sait pas grand-chose. Même dans votre projet de société, vous l'avez dit, que pour la parité, aujourd'hui, on se bat pour la parité des femmes. Que, mais, mais cette parité sera progressive. Pourquoi pourquoi pas immédiatement Mais Puisque par le passé, on n'a pas pensé les scolariser comme on l'a fait pour les hommes. Je veux bien assurer la parité. Je, oui, il y en a. Mais est-ce qu'elles sont un nombre suffisant pour euh, penser qu'elles sont... Aujourd'hui, on est prêt à faire en sorte oui. Je Pourquoi dis... Déjà même, ne serait ce que premier ministre C'est possible. Bon, ça, c'est des paroles. Oui, je... c'est possible. <laughs> Très bien. Et alors, je vous indique que, que mon porte-parole dans cette campagne, qui a été d'ailleurs ma directrice de campagne, au dernier congrès du PDCI-RDA, Madame Bakou est là. C'est une dame dont je suis fier et je reconnais ses qualités. C'est une dame qui peut servir de modèle et accompagner, indiquer le chemin à ses sœurs. Parce que j'entends justement dire, ce que je, faire ce que je dis, l'ivoirien nouveau que je défends, c'est celui dont les propos ou les actes sont, sont en conformité avec les propos. Alors, je vous le alors... dis parce que je vais le faire. Très bien. Alors nous allons, M. Kouadio-Kourabert, nous allons aborder le dernier volet, hein. nous l'avons dit, c'est les relations internationales. Euh, la Côte d'Ivoire euh, a commencé à se repositionner au plan international. Quelle est votre vision Qu'entendez-vous faire de cette Côte d'Ivoire dans le cercle des nations En tant que disciple du fouet, petit fils du fouet, Je m'approprierai. Ce slogan qui lui était cher, à savoir la Côte d'Ivoire, ami de tous, ennemi de personne. Je ferai en sorte que la Côte d'Ivoire ne s'éloigne pas de ce slogan. Mais voyez-vous, on ne peut pas humilier davantage la Côte d'Ivoire quand on ne paye pas, eh bien, le loyer à l'extérieur de nos ambassades. J'étais souvent meurtri de voir les bagages des ambassadeurs parce que vidés de leur loyer pour eux, parce que simplement on n'a pas payé. Ça, ça ne, ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Des fonctionnaires internationaux, des diplomates qui sont les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent 4, 5, 6 mois sans salaire, dans des conditions difficiles, de climat aussi difficile. Insupportable. Comment pense-t-on que cela peut travailler au rayonnement de notre pays C'est un secteur qui est particulier. Je veillerai, rien que en faisant en sorte que nos diplomates, par leur allure, eh bien, communiquent aux autres du monde la fierté nationale, l'assurance, la foi et la confiance en une Côte d'Ivoire qui est debout, qui rayonne et qui gagne, mais en faisant en sorte de ne jamais considérer ou faire de la Côte d'Ivoire une base arrière de quelques malfrats qui déstabilisent le régime autour de nous. Un coup d'État, ça se condamne. On peut le traiter de révolution des œillères en Côte d'Ivoire, mais ailleurs, comme au Burkina, on a vécu ces derniers temps, tout le monde entier a condamné ce coup de force, sauf mon pays, la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas normal. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se donner cette vocation. Je veillerai pour la paix dans la sous-région, que la Côte d'Ivoire, qui est un havre de paix, qui accueille pour donner le bonheur et le progrès aux autres, ne soit pas une base arrière pour déstabiliser eh bien, les régimes des pays voisins. Ça, c'est un engagement. Mais si je le fais pour les autres, les autres aussi devraient le faire pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Et donc, sans m'éloigner de. Ce slogan et cette vision du Père fondateur, je resterai dans la droite ligne de la pensée, de la philosophie du Père fondateur pour faire de la Côte d'Ivoire un pays eh bien, qui soit ami de tous et ennemi de personne. Monsieur Kouadio-Conan-Bertin, euh, vouloir être président de la République suppose avoir un carnet d'adresse, également aussi une expérience au plan international. Vous pensez que vous euh, remplissez ces conditions devant les Ivoiriens Je veux dire euh, mieux. Le président Gbagbo, en 2010, croyait bien dire en disant que son adversaire, Alassane Ouattara, était le candidat de l'étranger et lui le candidat des Ivoiriens. Ce qui est vrai. À l'arrivée, je constate que le candidat de l'étranger est président des Ivoiriens, pendant que le candidat des Ivoiriens est prisonnier à l'étranger. Ça suffit pour qu'on comprenne que, malheureusement, tout ne se décide pas chez nous, pour l'heure. C'est pourquoi, de toute façon, en tant que militant du PDC-IRDA, je peux vous dire, vous ne trouverez pas dans le monde une seule oreille qui ne soit attentive à l'œuvre du fouet. Ils sont des milliers. Et je n'ai pas, je pas attendu, attendu le débat pour le comprendre, moi qui ai voyagé beaucoup ces derniers temps, parce que justement, le monde dit temps est un village planétaire et la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer en vase clos. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire sans les autres. Les autres ont besoin certainement d'avoir des intérêts chez nous. C'est une relation de gagnant-gagnant que nous allons construire avec nos partenaires. Et je rassure les uns et les autres. Notre partenaire privilégié, c'est la France. Ce n'est pas par hasard que je m'exprime en français pour m'adresser aux Ivoiriens. C'est pourquoi nous devons comprendre. Nous avons construit ou hérité de relations anciennes, bâties par nos devanciers. Au faut le disait, il a tracé les sillons. Il nous appartient nous, à nous jeunes générations, de les élargir. Eh bien, la France, eh bien, elle sera toujours ce partenaire de choix, privilégié. Sans oublier que, eh bien, il y a aussi des technologies ailleurs qui peuvent nous inspirer, nous aider dans la fabrication de telle ou telle chose. C'est pourquoi vous comprenez bien que nous serons là. C'est une bonne logique, dans une logique. De diversification au plan donc de ces relations extérieures, sans renier nos amitiés, nos forces, nous puissions avancer et puis construire la Côte d'Ivoire pour le bonheur aussi bien des Ivoiriens et des peuples avec lesquels nous allons entretenir ces relations, désormais, qui fait de ce que ce soit des relations gagnant-gagnant. Donc, euh, M. Kouadiou -Bertin, avec euh, toutes ces relations que vous avez d'ici à 5 ans, à quoi va ressembler la Côte d'Ivoire je vais transformer totalement la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, mes chers compatriotes, les pays d'Asie qu'on cite aujourd'hui en exemple, pour la plupart, sont des pays qui n'ont rien, qui, heureusement, qui transforment tout. La Côte d'Ivoire est riche. Elle a tout. Malheureusement, nous ne transformons rien pour que nous soyons maîtres de notre destin. Je vous propose que nous passions à cette autre phase où Fouet nous l'a même indiqué on nous a trop Nous ne serons véritablement maîtres de notre destin que lorsque nous allons comprendre la nécessité de transformer sur place dans des usines qui sont ici chez nous nos matières premières. Une fois que ces conditions sont réunies, eh bien je vous ai promis de faire ce qu'il y a à faire pour que la Côte d'Ivoire soit bon marché et que tous les citoyens du monde viennent faire leur shopping en Côte d'Ivoire, comme ils le font aujourd'hui à Singapour et ailleurs d'autres. Vous voyez le cas de la Malaisie. Ce sont des exemples que nous devons copier. Je vais transformer la Côte d'Ivoire, et cela est possible en cinq ans. Par l'industrialisation, c'est 11 millions d'emplois que je crée, avec la formation adaptée, qui fait que tous les Ivoiriens, qu'ils aient été à l'école ou pas, auront une formation qu'il les qualifient à quelque chose pour qu'ils aient une place. Et nous allons ainsi chasser la misère, pour que là où prospère la misère, eh bien là aussi prospère la guerre, l'indiscipline et le désordre. Vous pouvez me dire, votre famille n'a point d'oreille. Nous ferons en sorte que l'ivoirien puisse se donner au moins trois repas par jour. Ce n'est pas normal qu'un pays agricole, comme la Côte d'Ivoire, qui a tout à provision, eh bien les Ivoiriens, Soyez incapable de se nourrir et bien se donner trois repas par jour. Il faut redonner au peuple de Côte d'Ivoire sa dignité, sa fierté nationale et faire en sorte que nous renégocions notre souveraineté nationale. Ça, c'est possible en cinq ans. À condition, chers Ivoiriens, que vous compreniez la nécessité d'adhérer à ce que je vous propose et que vous m'accordiez votre confiance ce dimanche. C'est le seul moment, pas ailleurs, pas après. Oui, parce que nous sommes jeunes, mais c'est un atout. Que c'est beau d'avoir, eh bien, à profusion, une jeunesse bravalide dans un pays qui doit se reconstruire. La jeunesse, c'est un atout. Parce que dans nos campagnes, pour ceux qui savent ce que c'est que au champ, ce n'est pas les vieux qui travaillent à la place des jeunes. Eh bien, les jeunes travaillent. Parce que c'est quand on est jeune, qu'on est dynamique, c'est quand on est jeune, qu'on a l'ambition, c'est quand on est jeune, qu'on est productif. La Côte d'Ivoire a besoin justement de bras valides, de personnes physiquement au point pour la reconstruire. Un enfant qui au village passe son temps le lundi, le mardi et le mercredi à jouer au damier pendant que ses parents vont au champ, cet enfant-là est un enfant maudit. Jeune de Côte d'Ivoire, je ne veux pas que vous soyez des enfants maudits. Levez-vous dès maintenant et retenez la chose suivante. On ne peut pas être éternellement des poseurs de bâches. Oui, on peut comprendre que vous posez des bâches à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, mais s'il y a 40 ans, vous continuez de poser les bâches, eh bien, posez-vous des questions. À quoi aura servi ma vie sur Terre Il y a un temps pour poser les bâches, il y a un temps pour s'asseoir sous les bâches. On ne vous fera pas l'injure de vous dire que vous êtes jeune. Oui, ou le visionnaire, parce qu'il savait que c'est quand on est jeune qu'on peut construire. Il a donné à tous nos aînés leur chance dans la fleur de l'âge. Et en moyenne, à 30 ans, tous étaient aux affaires. Ils ont bâti la Côte d'Ivoire. Il y a eu le miracle économique. Pour ne prendre qu'un seul exemple, M. Bedi, à 30 ans, avait fait des merveilles au ministère de l'économie et des finances. Pourquoi, à notre tour, vous voulez qu'on nous convainc à l'idée que c'est à 60 ans que nous serons bons pour le service Eh bien, je vous apprends qu'à 60 ans, on part à la retraite. On est amorti, on est plus productif. C'est maintenant qu'il faut se battre pour se mettre au travail, pour comprendre la nécessité de servir la Côte d'Ivoire et du vivant de nos parents. Parce que je pense et j'imagine que nos parents devaient éprouver une fierté légitime à voir leurs enfants travailler de leur vivant pour leur procurer du bonheur. Parce qu'en Afrique, ne dit-on pas que quand on fait des enfants, c'est pour qu'ils nous donnent à manger quand nous n'aurons pas de dents. Très bien. Alors, je, je voulais juste avant que nous nous séparions, euh, je comprends. Vous le dites avec beaucoup d'enthousiasme. Nous regardons, nous sommes heureux de savoir que. Alors, quand euh, on est jeune comme vous, parce que je rappelle. Que vous avez 47 ans. Oui, vous êtes 47. le plus jeune candidat. Donc, c'est juste ce que je dis. Hein. Oui, oui, oui. Euh, je remarque aussi que, bien que vous ayez fait de manière euh, euh, assez brillante, euh, en tout cas au sein de votre parti, beaucoup de chemins euh, au niveau des institutions, est-ce que vous en avez dirigé déjà J'ai été, quand même pendant 10 ans, conseiller technique auprès du maire François Michat. Et puis après La plus grande commune de Trècheville. Et la commune nous a ça. Et quand on est planteur à l'âge de 14 ans, qu'on a appris à connaître toutes les saisons pour étudier la terre, dans ce qu'elle nous offre comme enseignement, croyez-moi, au plan politique, pour ce poste que je convoite, après avoir passé 30 ans au service du PDCI, en tant que militant actif, car je comptabilise au moins 25 ans de présence au bureau politique, je comptabilise 12 ans de gestion de la jeunesse du PDCI RDA, j'ai fait mes classes, auprès de tous ceux qui sont là et qui comptent. Et ils savent très bien que l'élève a acquis des connaissances, il est prêt à gouverner et à servir la Côte d'Ivoire. Mon père Bédier reconnaît heureusement que je suis un soldat. Un soldat, c'est fait pour, faire, pour servir. Je suis prêt à servir le peuple ivoirien. L'expérience, le sait, se nous l'avons. Pour comprendre qu'il faut reconstruire la paix sociale, la stabilité de la Côte d'Ivoire, remettre les Ivoiriens ensemble, pour qu'ensemble... On se met à bâtir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas du génie qui soit au-dessus de notre intelligence. Ces milliers de jeunes de Côte d'Ivoire qui ont fait leur cycle universitaire, leur cursus par... eh, 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 universitaire en Côte d'Ivoire, je crois, qui sont pétris de talent, de connaissances, pour que justement, eux aussi, se mettent au service de la Côte d'Ivoire. Je, je crois que nous en sommes capables. Alors, je reviens un peu, je crois comprendre que vous, retournerez... vous êtes au PDGI, vous êtes militant. Oui, vous à ce vous jour, restez militant du PDC. À ce jour, je suis à jour de mes cotisations. Le parti me le prélève et me m'écarte. Oui. Le président BDSI m'écarte. Mm -hmm. Je suis vice-président du groupe parlementaire du PDC RDA. Ah, oui, m. Wassena alors... me convoque toujours oui. au rayon du groupe parlementaire. Mm -hmm. Je suis militant du PDCI. Pour l'instant, mm -hmm. je ne pense pas avoir commis un acte qui soit euh, répréhensif au point d'avoir des difficultés. D'ailleurs, je crois que de nous tous, je suis le seul qui sert le mieux les intérêts du PDC RDA. Je me définis comme le gardien du temple. Je ne fléchis pas. Je ne change pas de, de boussole parce que je privilégie eh bien, les, les cris de mon ventre. Non, je veux servir dans tout ce que je fais l'intérêt général. L'intérêt général commande que nous nous battions pour appliquer les résolutions issues d'un congrès. Et les militants, à l'unanimité, ont décidé que le PDCI ne peut pas se payer le luxe d'être absent de ces élections. Mieux, ils ont demandé qu'on ait un candidat actif. Un militant actif. Si après, monsieur Bédier, même si je le respecte de façon cavalière, va dans son village natal et décide qu'on fasse autre chose, ce n'est pas en conformité avec ce qu'a décidé l'instance suprême du PDC hier. Le Congrès est au-dessus de tout. Donc, je suis un militant discipliné. Je n'ai jamais, jamais été pris à, à euh, défaut. J'avoue que c'est vrai, euh, kakabé j'avoue que le thème euh, de façon cavalière pour votre père est un peu gênant pour moi, c'est mon avis, hein. moi je pense. Hein. Je respecte votre avis. Très bien. Je ne suis pas venu sur ce plateau ce soir. <laughs> pour, ça. pour vexer mon père. Très bien. Voilà. Et je le dis devant les ivoiriens, si lui aussi comme vous se sent vexé, okay. c'est le lieu de retirer. Mais je veux dire, mmh. cette, cette décision, euh, elle n'a pas, pas respecté, respecté. Hein, les, les règles de fonctionnement du PDCI-RDA, parce que Daoukro n'est pas une instance du PDCI. Très bien. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Euh, si vous êtes élu, en une minute trente secondes, quelles seront vos priorités pour ce pays que vous connaissez si bien La première des choses, parce que je suis convaincu que plus rien ne nous sera possible. Si on n'est pas unis, je m'emploierai réconcilier véritablement les Ivoiriens. Une fois que les Ivoiriens auront accepté de construire avec nous un nouveau pacte social sur les cendres de celui qui est en cours et qu'on se sera retrouvés dans le revivre ensemble, je leur dirai, comme il est beau pour des dévanciers de mettre leurs frangins, leurs enfants au travail. Je vais m'attaquer. Eh bien, au chômage massif des jeunes. Et je vous ai démontré tout à l'heure par quel mécanisme je créerai au moins 11 000 emplois en 5 ans pour redonner de la vie et de l'espoir aux jeunes. Une fois que eh bien, les Ivoiriens s'approprient cette nouvelle vision que je leur propose, en créant des richesses, nous pourrons à nouveau chasser, combattre et chasser la pauvreté pour que la Côte d'Ivoire eh bien, redevienne ce grenier où tout le monde peut venir trouver à manger. Voyez-vous, mais si on n'est pas en bonne santé, rien n'est plus possible. C'est pour ça que je mettrai l'accent sur la santé. Et je vous ai dit, dans le désordre, on ne peut rien construire. La défense, la sécurité sera également une priorité. Mes chers frères, vous qui avez encore, malheureusement, une arme dans vos mains, alors que rien, aucun texte ne vous autorise à les avoir. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, déposez ces armes. La guerre est terminée. Ce que vous vouliez là, ça a été fait. Vous avez atteint vos objectifs. Vous faites quoi encore avec les fusils dans vos mains Si je suis président, regardez-moi bien dans les yeux. Si vous avez une arme dans, vos, dans votre maison, avant que je ne m'installe, comme disent les enfants, cherchez-vous. Je veillerai à faire en sorte que mon pays n'importe plus de produits qui soient nuisibles à la santé et à la vie. Ça veut dire que la drogue ne rentrera plus sur ce territoire. Ça veut dire que les armes-là, on ne va plus les importer comme ça. Faisons en sorte qu'ils refassent bon vivre en Côte d'Ivoire. Que ceux qui travaillent puissent jouir du fruit de leur travail et de leur souffrance. Quand ils se payent de belles voitures, il faut qu'ils puissent en jouir. Mais il ne faut pas qu'ils aient la peur au ventre. À chaque fois de rencontrer des braqueurs, des coupeurs de route, ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, les chantiers sont énormes. Mais unis, nous pouvons faire face à ces chantiers et chasser la pauvreté de notre pays. Ce n'est pas une fatalité. Nous en avons les atouts, les hommes, les moyens. Et la nature nous a fait grâce en abondance. Nous avons tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays au bord où il ne pleut pas du tout sur une, deux années en Côte d'Ivoire, il pleut toutes les semaines, parce que tous les jours. Mais attendez, comment on peut avoir une terre aussi bénie par Dieu Tout-Puissant, et puis, par notre propre faute, dans le bricole, on en soit à présenter ce triste visage eh bien, au monde, et finalement, nous passons à côté du sujet, et les Ivoiriens se meurent tous les jours à nos côtés. Aujourd'hui, le discours des hommes politiques n'est plus audible. Le peuple de Côte d'Ivoire ne nous suit plus. Parce que la politique est devenue le lieu où on vient pour trouver la mort. Comment vous pouvez expliquer ça L'Ivoirien aspire à vivre en paix. Ne les frayons pas. Ne les prenons pas en otage. Libérons-les pour que leur génie s'émancipe et qu'ils se mettent au service de notre raisons. pays. Très bien. Merci donc à M. Kouna Bertin. Nous étions... Mesdames et Messieurs, nous étions accompagnés de M. Kouadio kouadio Bertin, candidat indépendant à l'élection prévue qui aura lieu dans cinq jours. Nous avions échangé avec lui sur tous les sujets. J'ai eu beaucoup de plaisir à également à échanger avec euh, Olivier Conan de Radio Kouadio-Var et Cadi euh, Fadiga de RTI euh, 1. Merci M. Kouadio Konan. Bon vent, c'est terminé donc pour... Euh, pour ce soir, demain est un jour nouveau. Bonne soirée. Merci.